Société, débat, relations, famille. Le Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice Jeannine Ross. Bonjour tout le monde, bonjour Pierre. Madame Jeannine, salutations. Salutations à vous cette journée aussi. Mémorable. Dont nous verrons l'issue. Mais nous, on ne fait pas de politique. Non. Hein? Jeannine, oui. J'ai quelque chose d'intéressant pour toi. As-tu lu dans le Journal de Montréal de ce matin, à la page 50, Les Anglais vierges plus longtemps? Oui. J'étais... Écoute, j'ai eu une impression de déjà entendu, mais auparavant, je m'explique. Alors, tu as souvent entendu des auditeurs et beaucoup de citoyens particulièrement âgés qui vomissent sur les jeunes. Qui vomissent sur les jeunes et la fameuse précocité sexuelle. Alors là, j'ai une très mauvaise nouvelle pour ces vomisseurs sur la jeunesse. Les femmes britanniques perdent leur virginité de plus en plus tard. Oui. Ça vient en contradiction avec un sondage qu'il y avait eu l'an dernier, Pierre. Ouais. OK? Oui. Ça veut dire, à ce moment-là, de qui? Bon. D'où part l'échantillonnage? Jeannine, oui. C'est extraordinaire. La proportion des jeunes, et ça, y inclut les deux sexes, là, ayant perdu leur virginité avant l'âge de 16 ans, est passée de 32 % en 2002 à 20 %. Oui. Y aurait-il une prise de conscience, Pierre? Et ce qui se ferait très rapidement, parce que c'est ça, les chiffres étaient différents il y a à peine un an. La jeunesse s'améliore, se bonifie, et c'est pas grâce à la vieillesse, j'aime autant te le dire. Alors, l'âge moyen, on prend un groupe, là, on rassemble tous les jeunes, puis là, on fait une moyenne. Alors, la moyenne du premier rapport sexuel en Angleterre est de 17,13 années, les deux sexes confondus. Oui. Et si on sépare les deux sexes, c'est 17 ans et demi pour les filles et 18 ans pour les garçons. Ça m'a surpris. Les et c'est interpellant. Les garçons auraient des relations sexuelles à peu près un an plus tard. Six mois plus tard, sur une moyenne, bon. Les moyennes de grands oui. groupes. Bon. OK? Oui. Et écoute bien ça. Le sondage a révélé qu'il y a de 11 à 15 % de jeunes qui admettent avoir eu des relations homosexuelles. On vit ça plus ou moins. Ils Jeannine, le disent plus facilement. Te conviens-tu des petits crosseurs qui m'appelaient en onde puis les courriels qui disaient « Ah, Dr Mayou, vous citez Kinsey, c'est une espèce d'arriéré. Puis c'est pas vrai qu'il y a 12 % des adultes qui sont homosexuels. C'est 3-4 %. » Jeannine, chez les jeunes, 11 à 15 % ont eu au moins une relation sexuelle. Est-ce qu'on aurait plus... Voilà. Est-ce que ce serait la première génération qui aurait... Bon, l'ouverture d'esprit de mentionner tout bon, ces pratiques sexuelles-là très tôt. Attends, oui, ça se peut. Mais là, on va préciser. Alors, en 2002, la même étude, le même genre d'étude, avait révélé 11 %. Et là, récemment, ça vient d'être publié, ça a régrimpé à 15 % de jeunes qui admettent avoir eu des relations homosexuelles. Oui. On convient-tu qu'on est pas mal plus dans la braquette de Kinsey que dans la braquette des ticounes qui disaient l'homosexualité, c'est un phénomène marginal, 2-3 % de la population. Non, ça se broute et ça se manque beaucoup plus qu'on le croyait. Mais ça, c'est c'est pas la bisexualité ici. Non, l'homosexualité. C'est ça. Donc, pur et dur, là, des gens qui ont cette orientation-là, c'est pas pur et dur. Non, c'est simplement un groupe. Et on leur a demandé, avez-vous déjà eu des relations homosexuelles? Et en 2002, il y en avait 11 % qui admettaient en avoir eu, et récemment, 15 %. C'est ça. Mais on ne fait pas la distinction entre homosexualité pure et bisexualité, dans ces chiffres-là. On ne connaît pas, il n'y a pas d'études sur l'évolution de ça. Mm-hmm. Est-ce que c'est seulement dans cette braquette d'âge-là, puis ça va se calmer par la suite? Mais 15 %, ça commence à faire du monde à la messe, là. Il avait déjà été mentionné que beaucoup de garçons, à l'adolescence, ont une curiosité par rapport à la sexualité qu'ils canalisent vers un autre garçon. Temporairement à l'adolescence, donc orientation indéterminée. Oui. Bon, ça pourrait entrer là-dedans. On est plus franc à le dire. D'après ici. Oui, plus franc. Et tu viens de dire le mot, là, ça se termine comme ça. Et c'est là qu'on peut avoir une impression de déjà entendu, Jeannine. L'article se termine comme suit. Cela montre qu'en tant que société, nous perdons notre hypocrisie envers la sexualité,
que nous cessons de penser une chose et d'en faire une autre, ce qui était la caractéristique de nos mœurs du passé. Mm-hmm. Ça te rappelle pas quelque chose qui est sorti de ma bouche une bonne cinquantaine de fois, ça? Mais oui. Mais ce que nous pensons. Ah, ouais, ouais. Est-ce que nous pensons? Oui. Et ce qu'on en fait? Comment est-ce qu'ils disent ça? Que nous cessons de penser une chose et d'en faire ben une oui, autre? Ben oui, ben oui. Mais ça, c'est encore pire. Là, ils le font puis ils disent ce qu'ils font. Ouais. C'est ça. Mais ici, ouais. C'est encore pire. Tu penses, mais tu fais même pas selon ce que toi tu penses. Oui. C'était ça avant. Ouais. Alors là, les vomisseurs sur la jeunesse, vous allez vous rhabiller. Puis venez plus appeler en honte puis nous dire que toutes les petites filles de 14 ans ont copulé. C'est pas vrai. En Angleterre, la dernière étude en Angleterre nous apprend qu'il y a seulement 20% des jeunes qui ont copulé avant l'âge de 16 ans. Ça fait 80% qui ne se sont pas encore mis. Fait oui. N'est pas nous oui. faire à croire, mais sacrément, que la sexualité s'est rendue épouvantable, un dévergondage, tout le monde s'est mis. Non, hey, allô? Il y a un frein naturel bon, que là, les jeunes s'imposent. Oui, alors là, écoute, c'est pas tout des caves, les jeunes, c'est pas tout des imbéciles. Et quand ils sont pas prêts, ça a l'air qu'ils le font de moins en moins. Bon, hein? Ça c'est même, oui, depuis 2002, oui. Il y a eu une amélioration. Et je le répète, c'est sûrement pas à cause des têtes grises. Parce que les têtes grises, là, ça le vomit rien qu'en masse sur cette génération-là. Pierre, ceci étant dit, autre interrogation, oui? Juste avant d'attaquer notre sujet. Oui. Il y a l'histoire du chauffeur de taxi qui a été pris en otage par un monsieur. Là, un malade psychiatrique. Un malade psychiatrique connu. Qui avait été intercepté par une femme policière. Puis on en avait parlé à l'émission en 2004. Ah oui? Oui. Oui, il était très menaçant. Puis elle était intervenue. Elle l'avait tiré d'un genre. Oui, oui. Mais vous savez qu'à Pinel, ils étaient sur le point de l'envoyer dans un appartement, là, ben cet homme-là. Oui. Alors, le chauffeur de taxi qui a évité sa propre mort et celle de plusieurs autres personnes, en tout cas, en agissant auprès de ce psychiatrisé-là qui était en crise psychotique aiguë, là, d'une certaine façon, lui dit, il n'est pas exclu que je poursuive pas Pinel. Ben voyons. OK? Ben avec raison. Ben sais-tu pourquoi? Oui. Il s'est échappé de Pinel il y a 3 jours. Ils l'ont échappé. Est-ce qu'il y a eu un avis? Y a-t-il un avis d'Émy, Pierre, quand un psychiatrisé, quelqu'un qui est pas contre... Mais Pierre, entre vous et moi, je veux bien... Janine. Il sauve, mais il était prêt à l'envoyer en logement. Janine. Écoutez, là... Il a fugué, il s'est sauvé, tu sais, oui. Il y a 3 jours. Là, ce qui va être intéressant de déterminer, c'est quels efforts ils ont fait pour le récupérer. Aïe, aïe. Mais ils jugeaient qu'il était assez équilibré pour s'en aller en appartement tout seul, Pierre. Alors, ils n'ont pas dû mettre beaucoup d'efforts pour le chercher. C'est ça que vous voulez sous-entendre? Ben oui. Hey. Puis, regarde, Janine. Bon, je te dis pas que c'est le cas, mais derrière mon rire, tu devrais soupçonner une quasi-complicité. Parce que moi, j'ai été témoin à maintes reprises d'une invitation à la fugue chez les patients psychiatriques. J'ai vu ça plusieurs fois dans ma vie. Où on faisait par exprès pour se tourner le dos à un patient qui avait la main sur la poignée de la porte. Ah bon? Mais il s'en va où, ce patient-là? Dans le décor. Dans le décor, dans la nature. Ben oui, bien débarrassé. Puis notre monsieur ici, là, il y a 2 ans, il avait fait encore une grosse crise psychotique. Mm. Alors, 2 ans plus tard, on se retrouve au même point. Même affaire, même situation. C'est pas facile de traiter des patients psychiatriques, des patients qui souffrent de psychose, particulièrement la schizophrénie, c'est pas facile. Et tu m'as entendu déplorer à notre tribune le peu de psychiatres intéressés à vraiment s'occuper de ces patients-là de façon adéquate et efficace. Mais on se dit, Pierre, à Pinel, je pense que c'est leur spécialité. Non, pas non? Plus, non, pas plus qu'ailleurs. Ouais. À l'Institut Pinel, c'est pas un institut où on traite en priorité les personnes qui ont des troubles psychiatriques aigus. Oui, mais ils n'ont aucune connaissance de plus qu'ailleurs. C'est juste ça mon point. Autrement dit, pour être bien franc, ils ne sont pas meilleurs qu'ailleurs. Et pourtant, il me semble, Pierre, là, alors, il y a quelques psychiatres là qui sont très bons, puis il y en a d'autres qui sont moyens, puis il y en a d'autres. Écoute, ça suit une courbe de Gauss. Tu comprends? Cloche, la fameuse cloche de Bell, là. Oui. Bon, la cloche, là. Bon, t'en as quelques-uns qui sont excellents, la plupart sont en moyenne, puis t'en as une coupe qui... En tout cas, je vais vous dire, c'est pas très éloquent, ça. Ben oui, puis as-tu vu le comportement qu'il a eu, tu sais? Il rentre dans une boucherie, puis il prend un gros couperet. Il saute, pauvre gars. Oui. Puis il fait peur, il faisait peur aux gens, ben oui. Bon, enfin. Bon, disons voilà. Qu'avec la corpulence qu'il avait, il était assez facile à retracer.
Ceci étant dit, est-ce qu'on s'illusionne, Pierre? Pardon? Est-ce qu'on s'illusionne? C'est-à-dire? En s'imaginant qu'il n'y a que les jeunes de la classe moyenne ou les ou pauvres qui boivent de l'alcool à outrance et se gèlent aux drogues dures. Est-ce qu'on s'illusionne? Selon certains sondages en France, puis on l'avait eu la semaine passée, puis aujourd'hui, c'est dans le Journal de Montréal. Oui. Certains sondages en France, ce phénomène frappe davantage les ados parisiens aisés. Alors, est-ce que c'est pareil ici? On envoie nos enfants, nos adolescents dans des écoles privées en pensant qu'ils sont moins en contact avec la drogue, les drogues dures et tout. Et ça a l'air que, selon plusieurs sons de cloche, il y aurait une similitude avec ce qui se passe en France. Alors, on parle de ça. Et puis, également aujourd'hui, Pierre, un monsieur qui s'appelle Sylvain Turgeon, ça entre dans le sujet, lui dit qu'il a réussi à vaincre sa dépendance. Puis, il y a un paragraphe dans l'article. C'est un ex-toxicomane, cet homme-là. Il a 47 ans. Il dit, à 13 ans, je voulais devenir avocat ou notaire. Un an plus tard, mon seul objectif était d'être le plus gelé de mon école. Mm-hmm. Et c'est là que tout a basculé, puis est tombé dans la drogue, les drogues dures. Ça a duré 17 ans. Bon. Et c'est souvent ça. Ça part bien au début du secondaire et tout à coup, ça plante. Et on se revalorise de prendre de la drogue, d'être gelé. Tu deviens un héros. Qu'est-ce que c'est ça, Pierre, comme phénomène? Pour introduire un autre petit élément, les adolescentes, les femmes vont se sentir négligées parce qu'elles savent très bien que les drogues sont utilisées beaucoup plus par les garçons que par les filles. Maintenant, ils ont découvert une petite particularité à Paris, en Europe, c'est que les adolescentes sont plus accros aux médicaments psychotropes, aux pelunes pour les nerfs, que les garçons. Mm-hmm. Une sur trois versus un sur cinq pour les gars. Ouais. Mm. Une adolescente sur trois est aux pelunes dans les milieux aisés. Mm. Janine, il y a quelque chose qui se passe de pas correct à Paris. Une petite fille sur trois est aux pelunes pour les nerfs à Paris. Fait qu'il y a ça. Hein? C'est dans, alors, les garçons, quartiers aisés. Oui, là. Dans les quartiers favorisés. Oui. Et puis, alcool? Alcool, c'est la même chose. Ouais. C'est les ivresses répétées, également deux fois plus nombreuses dans la classe aisée que dans la classe moyenne. Alors c'est là... C'est étonnant, hein? Ben oui, mais Janine, tu sais, il s'agit de traiter la pauvreté, puis il n'y aura plus de problème. Les nonos, les niaiseux qui mettent le paquet sur la pauvreté. Mais oui, mais Janine, on s'est doté d'une loi contre la pauvreté. Mm-hmm. On n'aura plus de problème. Je vous reviens avec un paragraphe, Pierre, justement, dans la même veine que ce que vous dites. Les nonos, là, on leur a trop donné de place dans notre tribu. Alors, est-ce qu'on s'illusionne en s'imaginant qu'il y a plus de jeunes des classes moyennes et pauvres qui boivent de l'alcool à outrance ou qui se droguent aux drogues dures? 790-0224-1866. Envoyez nos enfants dans les meilleures écoles, dans des écoles privées, en pensant les soustraire à l'influence des drogues dures et tout ça, pensant que, parce que c'est des milieux plus aisés, ils seront moins touchés par ça. Comment ça vous atteint? On va demander à nos auditeurs, auditrices, s'ils ont eu cette illusion-là à un moment donné. Qu'est-ce que c'est vraiment aussi exagéré ici que ça l'est en France? Ouais, on avait eu tendance à blâmer la pauvreté et les pauvres comme étant les principaux là, adeptes de drogue et de pelune, jusqu'à temps qu'on réalise que chez les adolescents actuellement à Paris, oh là là, c'est dans les quartiers aisés, les jeunes qui ont de l'argent dans leur poche se droguent, boivent et prennent plus de pelules que ceux du même âge qui sont plus pauvres. Oui. Alors là, la lutte à la pauvreté, les pauvreteux, qu'est-ce que vous allez faire? C'est qu'on dit que dans la classe aisée, Pierre, c'est récréatif et festif. OK? Parce qu'il parle de consommation. Dans l'article en question, drogue dure, mais ils disent... Je vous rappellerai qu'André Boisclair, c'était pas un pauvre, puis il s'est drogué alors qu'il était ministre. Alors là, la pauvreté n'est pas responsable de tous les maux, les petits amis. Les petits amis de la garderie, là, vous allez devoir vous ouvrir les yeux. La drogue, l'alcool, puis les pelunes, c'est pas un problème de pauvres. C'est un problème de personnes qui ont plus d'argent. Puis je vais vous dire, les gens... Puis ceux qui sont moins en moyen, Pierre, il y a un dernier... paragraphe ici. Les adolescents des quartiers plus difficiles préfèrent se tenir à distance des drogues car ils n'ont pas envie d'un stigmate supplémentaire. Ça, c'est quelqu'un qui analyse là, le fameux sondage en question. Puis c'est 1500 jeunes qui ont été sondés. OK, ils veulent pas être stigmatisés davantage qu'ils le sont. C'est incroyable. Les analyseurs de problèmes de la société avaient tout mis ça sur le dos des classes populaires. Comprends-tu? Oui. Et de la pauvreté. Là, ils s'étaient dit, les innocents, on va se voter une loi contre la pauvreté, puis nos problèmes vont être réglés.
gang de nono. D'où l'importance, Jeannine. Lorsque tu veux agir sur un phénomène, il est capital, essentiel, primordial de bien étudier le phénomène en question. Ce que nos faiseux ne font à peu près jamais. Alors, les faiseux, vous vous êtes gourés et je suis content. Parce que c'est fort probable que ce soit pareil ici. Là. Il y a de fortes chances. Puis, il parle d'influence, dans l'article, d'environnement qui influence. Ils disent, les jeunes issus de milieux favorisés ont peut-être plus d'aisance pour se lancer dans la consommation de drogue. Alors là, Jeannine... Mais un soutien, Pierre, il parle ici d'un soutien familial et une structure solide autour d'eux. Jeannine? Oui. Alors là, la prochaine question, c'est pourquoi? Pourquoi que les adolescents de milieux aisés à Paris mangent plus de pelules, se droguent plus et boivent plus que ceux qui sont défavorisés, moins favorisés? Pourquoi? Alors là, les parents de ces adolescents-là, attachez vos tucs, vous allez être, ça c'est la prochaine étape, vous allez être interpellés, mes faiseux. Si tu parles de milieu populaire, peut-être que les deux parents ne travaillent pas à l'extérieur. Et là, c'est pas les pauvres qui passent, c'est pas les mères pauvres, les monoparentales qui vont être interpellées. C'est la bonne femme qui a de l'allure, qui se fait retirer son steak. Ou qui travaille, Pierre, à apporter, qui contribue à l'aisance de la famille, mais sans présence à la maison. T'es pas obligé d'avoir des gamins. Si tu veux pas t'en occuper, prends la pelune, mais la bonne pelune. Sinon, l'autre en arrière va prendre des pelunes pour les nerfs. Est-ce que ça pourrait vouloir dire aussi que dans la classe populaire, Pierre, l'accumulation d'argent... Et moins priorisé, priorise plus les relations avec nos enfants, ça se pourrait-tu, ça aussi? Tout est possible. Tu sais, quand il faut que tu travailles pour avoir deux autos, la grosse maison, etc., t'as peut-être plus de temps là, à passer avec tes enfants. Et... Attends! Oh, c'est pas comme ça ici au Québec! Non, c'est ça. La juge Ruffo hier a sacré une dégelée. Elle a été applaudie. Elle a sacré une dégelée, elle a répété exactement la même chose. Le Québec haït les enfants. Oh! Et une chance que Mitsou était pas là. Tu te souviens quand j'ai dit ça, tout le monde en parle? Mitsou était prête à grimper d'un rideau. La juge Ruffo, non, au Québec, on n'aime pas les enfants. Je regrette les copains. La majorité des parents haïssent leurs enfants au Québec. N'en prennent pas soin ou s'en contrefous. La juge Ruffo qui s'en va répéter la même chose. Mais pour revenir à ce qui se passe en France, Pierre, la classe aisée, est-ce que tout est centré justement sur l'accumulation de biens? Et d'argent, et on néglige, sans les haïr, les enfants, les parents sont pas présents. Non, ils sont contre-cris. Tu sais qu'est-ce que ça veut dire, le verbe contre-crisser? Oh oui, c'est deux fois plus que le verbe initial. Tu sais, ça veut dire un je m'en foutis, c'est pas important, c'est une quantité négligeable. Mais pourquoi tu l'y fais? Et c'est drôle, parce que les gens aisés négligent plus les enfants que les pauvres. Ah, c'est divin, c'est divin. Mais voyez-vous, là, on a des circuits. Jeannine, des circuits disponibles. Oui, comment ça vient nous interpeller, nous, Québécois? Jeannine, on a-tu une similarité? Depuis cinq ans, au moins, j'entends régulièrement deux choses. J'entends des adultes, OK, qui vomissent sur les jeunes et leur sexualité. Et j'entends des adultes qui régulièrement vomissent sur les pauvres. Alors, vos vomissures, vous allez les ravaler, s'il vous plaît. Alors, ce serait un problème de famille aisée. Le problème serait accentué. Hey, ça n'a rien à voir avec la pauvreté. Au contraire, les pauvres sont moins portés vers les cochonneries. Oh, c'est épouvantable. Oh, les pauvres. Oh, Jeannine. C'est ce qui est dit ici. Jeannine. Ce qui est dit ici. Mais oui, parce qu'ils ont déjà assez de difficultés comme ça. Oui, les deux études qu'on cite aujourd'hui sont vraiment embarrassantes. Une qui vient de Paris, puis l'autre qui vient d'Angleterre. Publié dans l'agence France Presse, l'étude semble être très crédible. Les études qui viennent de Londres, en général, sont très crédibles. Alors, ça me surprendrait que cette étude-là soit contredite. Les vomisseurs professionnels sur la jeunesse et sur la pauvreté, vous pouvez aller vous rhabiller. Puis le troisième volet, Pierre, qui est le monsieur, le Québécois, là, comment s'appelait, Turgeon, Sylvain Turgeon, qui dit... que la seule façon de se revaloriser, en tout cas pour lui, là, il était le king à l'école parce qu'il était gelé. Il était le plus gelé. Ça, Pierre, comment vous expliquez ça, ce phénomène-là? Où tu te revalorises pas par tes performances scolaires? On rit de ça?
Mais tu t'en vas dans la drogue et là, tu deviens le king. Qu'est-ce que c'est, ça? Ben, c'est très simple. Ce sont des enfants de milieux aisés auxquels on a donné beaucoup de jouets, mais qui n'ont jamais ressenti de plaisir. Parce que le plaisir n'est pas généré par les jouets, mais par la personne qui donne le jouet. Ça, c'est bien dit aussi. Pour un indice, pas pire. Ouais, donc, il va chercher une compensation. Il veut sentir qu'il vit. Non. Utilisant des drogues. Oui, il utilise un produit euphorisant pour se procurer le même plaisir que le petit voisin qui a joué avec les boîtes de carton, puis trois ou quatre cochonneries a eu, lui, pendant qu'il construisait sa petite maison avec ses boîtes de carton, puis un vieux couteau, ou d'une vieille paire de ciseaux que sa mère lui avait prêté. Et pourtant, Pierre, on dit gelé. Magie, t'es pas fin après-midi. Quand il dit « je suis gelé », ça veut dire qu'il gèle la souffrance. Oui. Mais il gèle pas nécessairement le plaisir et le bien-être que génèrent certaines drogues. Non, c'est l'euphorie. Y a-t-il une distinction? Oui, c'est que la drogue procure... Ils prennent uniquement des drogues euphorisantes. Alors, petite euphorie et tout en gelant la souffrance. Les deux. Fait que s'ils sont inadaptés sociales, s'ils ont été négligés, c'est plein d'affaires, ça gèle ça. Oui. Et ils deviennent des êtres qui sont plus facilement, qui entrent plus facilement en contact avec les autres, sont branchés, ouais. Eux autres. Ouais. C'est ça. Ça leur donne un passeport vers les autres qu'ils n'auraient pas parce qu'ils sont trop souffrants. Janine, je te répète qu'à partir du moment où on va étudier le comportement de l'être humain, on va se faire garrocher en pleine face des éléments qui étaient absolument contraires à ce qu'on croyait jusque-là. Mm-hmm. Exemple, la sacrement de lutte à la pauvreté. Qu'est-ce qu'on fait là? Lorsqu'on lutte contre la pauvreté, on n'a aucun impact sur la consommation, l'utilisation des drogues et des pelunes au Québec. Non, parce que ça se passe dans des milieux où il y a plus d'aisance. Oui. Qu'on ne cible pas. On pense que ces gens-là sont capables de régler leurs problèmes. Ben oui. Ouais. Ben, tu donnes... Hey, Pierre, un garçon de 17 ans qui ne travaille pas du tout les fins de semaine, jamais, qui ne donne jamais de coup de main, mais qui reçoit 75 $ par semaine de son père en argent de poche. Dans une école privée, ça, c'est un exemple que je donne, là, mais qui est tiré de vraies affaires. Et là, t'as le bonhomme et la bonne femme qui lui dit, ben voyons, qu'est-ce qui te prend, toi, aujourd'hui? On t'a tout donné. C'est ça. Maudite race d'hypocrite, de menteur. Alors, qu'est-ce qu'ils ont à dire, ces jeunes, aujourd'hui? Ben, ils se droguent. Ils se droguent, puis les filles, ils ont des pilules. Hey, non, mais la consommation de pilules chez les adolescentes, Janine, c'est la première étude que je vois de cet ordre-là. Les adolescentes plus accros aux médicaments psychotropes, ça veut dire le Rivotril, l'Ativan, et puis ce genre de cossins-là. Paxil et compagnie, Pierre, ça rentre pas là-dedans. Ça, c'est des... Écoute... Parce qu'on en donne beaucoup au Québec à nos adolescents. On n'a pas le listing. Ça commence. J'ai pas le listing ici. Je soupçonnerais que t'aies raison. Mais Paxil, alors, Paxil, Zoloft, Effexor, oui. Zoloft doivent être aussi avec Rivotril, Ativan, puis Xanax, puis ces cochonneries-là. Mais entrez-vous ça dans les psychotropes? Pierre? Oui, tout ça, ça entre dans les psychotropes. Yeah. Psychotropos, là, ça veut dire qu'ils influent sur le cerveau, bon. Sur le psychisme. Alors, c'est ça, on est dedans. Alors, toutes les pelunes qui agissent sur le psychisme, là, et ce qui arrive, c'est que les adolescentes de Paris, écoute, ils en mangent une sur trois est aux pelunes. Une sur trois! Puis on le sait pas ici. C'est dangereux! Là. Allez pas vous promener à Paris puis fuyer les jeunes femmes. Une sur trois chez les pelules! Mais sont neutralisés? Non? D'une certaine manière, c'est fou, ben là. Non, écoute. Non, mais Pierre, Janine, l'an dernier. Tu soulèves une bonne question. Sont neutralisés. Tu sais, l'adolescente qui est aux pelules à Paris, là, et son coco, là, il fonctionne comment? Son ciboulot, là? Vous avez dit. Oui. L'année passée. Qu'est-ce que c'est que c'était? Avant 25 ans, d'administrer Zoloft, Paxil et toutes ces histoires d'antidépresseurs-là pouvaient avoir sur un cerveau qui n'était pas mature, parce que le cerveau serait mature à 25 ans, pourrait causer des dommages graves, ouais. Et pousser au suicide. Vous particulièrement, aviez, bon, particulièrement avant 18 ans. Bon, OK. C'est oui. Ça. Hein, l'an dernier, l'étude... J'en donne pas. Janine, pourquoi tu... Mais ça fait 26 ans que je fais de la psychiatrie, puis j'en vois régulièrement des adolescents. Hormis l'utilisation... des antipsychotiques pour quelqu'un, pour un jeune qui fait une psychose. Je n'utilise ni antidépresseurs et ni anxiolytiques chez les adolescents. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que ça fait crissement rien. Ouais. Mais en tout cas, les choses... Oh, Mayu, t'es pas fin! Ça peut même les pousser au suicide. C'était ça, l'étude l'an dernier. Oui. C'est une étude américaine. Et vous oui. L'aviez commenté. Oui. OK. Alors, dans nos écoles privées, est-ce qu'il y a plus ou moins de drogue? Est-ce que vous pensez que vos enfants, quand vous les avez envoyés là, seraient à l'abri? Alors, on parle de tout ça. Et pourquoi? Pourquoi ça circulerait plus dans ça? Est-ce qu'on s'illusionne en envoyant nos adolescents dans des écoles privées où on pense les mettre à l'abri des drogues dures? On parle tout de suite à Mia. Bonjour, Mia. Oui, bonjour Madame Ross et bonjour Monsieur Mayou. Bonjour. Bonne année. Merci. Vous aussi.
Ça me fait plaisir de vous écouter. Vous pouvez pas vous imaginer. Ah ouais. Ah oui, oui. En quel honneur. Et puis, je vous téléphone souvent. Je passe souvent pour vous parler. Oui. À beaucoup, à différents sujets. Mm-hmm. Oui, alors je vais vous parler de ça. Et comme je connais très bien la France, je suis restée pas mal d'années. Je suis le communiste chez moi. Et j'ai un fils avec un monsieur français que je suis depuis 28 ans. Oui, attendez un peu. Vous avez fui le communisme d'où? Ah, bah, de Yougoslavie. Ah, de Yougoslavie, OK. Et alors, donc, vous savez, quand vous arrivez en France, tout est nouveau. J'étais là-bas assez rabaissée, les femmes en Yougoslavie, côté où il y avait des Turcs, c'était très dur, mort pour les femmes. Mais bref. Attendez un peu. Qu'est-ce que les Turcs viennent faire là-dedans? Ben parce que j'étais assez soumise, j'étais quand même une fille pas épanouie, écrasée par la mer, écrasée par la mentalité et tout ça. Mais quand je suis arrivée en France, rencontrer un Français, c'était dur, il fallait que je m'adapte à tout. Et les vrais que je me retrouve... Ben, attendez un petit peu là, j'en ai manqué un bout. Ah. Vous viviez en Yougoslavie, puis oui. Je vous ai entendu faire un lien avec le Turc. Ben, je voulais dire que, mais oui, mais la Serbie, il y a une partie de Yougoslavie qui a été envahie 5 siècles par les Turcs. Donc, on est très soumis. Les femmes, vous savez, elles avaient le foulard sur la tête, malgré qu'on n'était pas musulmanes, hein. Mais parce que c'était... Ah, les femmes avec le foulard, la capine sur la tête. Eh oui, mon cher monsieur. Capine sur le visage aussi, uniquement sur la tête? Pas sur le visage. On avait un petit peu, on laissait tout petit peu les cheveux devant, là. On était un petit peu, vous savez, on essayait, mais les hommes, tout de suite, moi, je me souviens, ma grand-mère, mes tantes, tout ça. Allez, cache ça. Oui. Mais cachez quoi? Ben, les cheveux, il faut pas que ça sera, parce que si ça dépasse un peu devant, là, c'est pas bon. Il fallait... Mais c'est pas bon, pourquoi, là? Il est où le problème avec les quelques cheveux qui dépassent? Ah, ben, c'était le dominant, comme vous dites. C'est les hommes qui dominaient tout. OK, alors, c'était un prétexte à la soumission. Ah, ben, parce que, oui. Est-ce que chèche 3-4 poils sur le front d'une femme fait pas bander un homme? Mais oui. C'était pas un équivalent sexuel, là, oui. J'imagine. Ça veut dire que, si vous savez, j'étais quand je suis arrivée en France, j'étais cachée de tête aux pieds. Oui. Et j'ai réussi de me déshabiller, enfin de... Oui, de vous déniaiser. Voilà, de me déniaiser. Oui. Et là, j'ai été confrontue à ma famille. Mais bon, ça, okay. C'est un grand débat. OK, allez-y. Alors, et je me retrouve avec un mari mais français. J'aime ça apprendre sur les... vous savez, on me traite de raciste. On me traite de raciste, mais j'ai une curiosité depuis toujours concernant toutes les caractéristiques des différents peuples. Monsieur ça me Mayou, fascine, oui. On m'a traité aussi en France de raciste. Non. Parce que je parle de comportement des autres. Quand on arrive dans un pays, on doit s'adapter. Alors, parlez donc, Mia, de ce qui se passe. Vous dites, oui. En France, je me mets en pantalon à la famille, mais t'es folle, tu vas pas revenir au village comme ça, tu vas être pris pour une pute. Mais, vous savez, c'est tellement... Bon, j'ai réussi de me débattre. Ah bon, être porté pour cette race-là, porter des culottes pour une femme, c'est être une pute. Ben, un pantalon serré, un peu, vous savez, à la mode. Ah, parce qu'il faut ben être... là, je comprends. Voilà, Là, le pantalon saillant. Il faut pas ben, je comprends. Hey, on voit la rondeur des fesses. Mais y a-tu des femmes qui ont des belles fesses? Ben... Il y a des femmes qui ont des cuisses puis des fesses. Je mens pas à travers les culottes, on a envie de les mordre. Mais les Yougoslaves, si vous voulez, elles sont assez pas grosses, mais corpulentes. Oui, parce que elles ont des gros derrière. Mais elles sont assez parce qu'elles sont fortes. Vous savez pourquoi? Quand la fille, on choisissait une fille pour le marier, le famille l'autre côté il dit ah elle est assez forte. Si elle est maigre, on la prend pas pour notre fils parce qu'elle pourra pas travailler au champ. Oh. Bon, il y avait une utilité à avoir des corps forts. Mais pour revenir à nos illusions... Un gros derrière risque de travailler plus longtemps de façon dure qu'un petit derrière fancy. Mais bon, ça c'est tout un truc. De toute façon, ça c'est très... Maintenant, je rigole, mais j'ai passé tout ça. Et en France, je trouve un bon français parisien. Oui. Un vrai français parisien. D'ailleurs, j'ai toujours dit, je me marierai pas avec un Yougoslave, je me marierai. Moi, j'ai exclu déjà pas mal sur ma liste. Alors, voilà, là, tout le monde, oh là là, t'es folle, tu vas nous déshonorer. Et, je suis toujours avec, ça fait 28 ans.
Et j'ai mon fils français avec ce monsieur. Et là, il faut, c'est une autre éducation. Est-ce qu'il vit ici? Est-ce qu'il vit ici ou en France, votre fils? On a tous immigré ici. On a fui aussi le communiste de France maintenant. Oh, le communiste de France! Mais quelle mauvaise langue! Pensez à vos expatriotes là, qui vous écoutent cet après-midi via Internet. Vous allez faire défriser? Communiste de France, ça n'existe pas, ça. La France, c'est une tribu civilisée. Mais qu'est-ce que vous pensez, Mia? Mia, qu'est-ce que vous pensez de l'histoire là, qui est sortie dans les journaux? Alors, on dit que les classes aisées consomment plus de drogue. Oui, je reviens, je veux juste survoler. En France, il y a 5% de communistes, M. Mayou. Mais ils sont partout, il ne faut pas. Ils font aux impôts. 5% de communistes en France, puis ils foutent le bordel partout. Ils sont comme du chien d'air. Ils détiennent tout, ils sont syndiqués. C'est eux qui détiennent tout, ils ne font rien. Puis voilà, ils sous-traitent. Après, il y a trois fonctionnaire qui fait un job. Il est payé pour faire le même job. Et puis, il sous-traite au privé. Oh! Mais la race de maudits. Hein? Mais bon, on a un peu de cette graine-là, nous aussi, au Québec. Il y en a des pareils au Québec. Oui, oui, ceux qui vont voter. Puis je pense qu'il y en a plus que 5% au Québec. Oui, oui, ceux qui vont voter NPD, là, c'est le même. Non, les bloqueux, les dents bloqueux, il y en a de maudite gang, là, ça. C'est vrai que ça aussi. Mais bon, et alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Bon, hey, Mia! Oui. Jeannine, elle vous aimera pas, là. Faites trois fois qu'elle vous ramène à l'ordre. C'est correct, on peut parler de politique, pas de problème, mais c'est parce qu'on était parti sur une autre problématique. Madame Jeannine, j'adore, mais simplement, vous êtes trop gauche. Et cette gauche-là, ça, c'est trop pas gauche. Compatible. Mais oui, mais j'ai jamais parlé de mes positions politiques ici. Vous dites, mais oui, en Inde, c'est très pauvre, vous avez été mauvais. Mais pourquoi ils sont pauvres? Parce qu'ils attendent que ça tombe du ciel aussi. Vous savez, je vous dis une chose, tous les pays, ils sont... Oui, mais Mia, là, vous avez pas compris. Là, c'est la classe favorisée, c'est la classe aisée qui se drogue plus, qui mange plus de pelunes que les pauvres. C'est ça. Bon, alors, je reviens en France. Donc, mon fils, il faut que je m'occupe maintenant. Bon, Mia, hey, ça vaut une affaire. Hey, c'est quoi l'équivalent d'une taverne pour les bonnes femmes qui ont envie de placoter comme vous? Ah, parce que vous trouvez que j'ai placoté. Ben oui, non, mais vous êtes... Le pire, c'est que vous êtes placoteuse, mais vous êtes intéressante. C'est ça qui est... Je suis pas capable de vous flusher, j'aime ça entendre Alors, il me semble qu'on s'enrichit à vous écouter, même si c'est hors sujet. En France, finalement, il faut que je m'adapte à une nouvelle culture, il faut que je change tout. Et j'ai changé le quartier, je suis allée dans un quartier assez riche comme ça. Oui. J'ai réussi parce que comme je suis une femme très économe, mon mari, c'était pas quelqu'un riche, on a commencé de zéro avec les payes. Donc vous avez vu comment opéraient les gens qui étaient plus à l'aise. Je voulais une autre éducation pour mon fils, vous voyez, et je voudrais pas qu'on vit, on était dans l'HLM et j'ai changé. Et je suis venue dans une classe très huppée, les médecins, les machins, enfin bon, médecins, je m'attends, oui, des professeurs, tout ça, mon fils, il se fait des amis à l'école, ça vient à la maison, tout ça, au fur et à mesure. Concluez, on vous a assez entendu, concluez. Alors finalement, après, je l'ai mis dans le privé, mais c'était une privée, parce qu'il y a privé et privé, il y a des privés très bien gérés, où les enfants, ils sont très, très bien surveillés, et moi, j'ai choisi le privé pour mon fils. Oui. Et c'était dans cette privée, c'était des parents qui mettaient les enfants, qui s'occupent des enfants. C'était pas, il y a des privés où on laisse l'enfant, puis on s'en occupe pas. Et mon fils, il a vu la différence, après, il restait, il a eu beaucoup de copains, il y avait des copains, par exemple, à 10 ans, docteur Mayou, les parents, ils s'en vont long week-end, ils laissent l'enfant, ils lui achètent une raquette de $200, ils lui laissent... Pour c'est pas ce qu'on s'appelle. Je vais vous arrêter là-dessus. S'occuper, hein? Et ici, au Québec, Jeannine, ça m'était rapporté à plusieurs reprises que des gamines, des petites filles de 12 ans laissaient seules à la maison pour un congé de 3 jours la fin de semaine. La bonne femme est partie avec son amant à aller se faire sauter. Alors là-dessus, similarité. OK. Bye Mia, à la prochaine. Donc dans les milieux, parce que c'est pas s'occuper, tu sais, on dit j'ai envoyé mon enfant dans une école où on s'occupe de, tu sais, le prérequis était que les parents s'occupent de leurs adolescents. Ouais, privé, sauf que la fin de semaine, t'es laissé tout seul, t'es pas plus avancé. PPC, privé, parents concernés. Ouais. Pas parti conservateur là. Non. PPC. Ouais, mais ça va toujours. Oui. Et alors qu'elle savait qu'il y avait du privé, parents non concernés.
qui laissaient les enfants la fin de semaine, tout ça, les adolescents. Ouais, les ça, adolescents seuls. Alors, est-ce que tu es intéressé à tes enfants? C'est bon. J'aime ça qu'on fasse la distinction entre des parents aisés concernés par leurs enfants et des parents aisés qui donnent leurs enfants. Des parents aisés qui font profiter à leurs adolescents de leur richesse en les faisant éduquer dans les meilleures écoles, mais qui restent des parents, qui larguent pas l'éducation de leurs enfants à des instituteurs qui sont là pour faire du support. On n'a jamais scindé ce groupe-là en deux. C'est la première fois. Mais avant, les enfants de classe aisée, Pierre, il n'y avait jamais rien. On camouflait. Quand ils étaient délinquants, c'était camouflé. Aujourd'hui, ce n'est plus camouflé. On le sait. C'est peut-être une grosse différence. Ça se sait et les jeunes parlent. Oui. Alors, est-ce que... Oui, il nous reste une petite minute. Alors, c'est ça. Est-ce qu'on pense mettre nos enfants à l'abri quand on les envoie dans des écoles privées? Est-ce qu'on pense que là, il y a moins de drogues, les drogues dures? Selon un sondage qui a été mené auprès de 1500 Français de 17 ans, ben il semble que c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que les classes populaires ont moins de problèmes avec les drogues dures qu'on en a avec les adolescents de classe aisée. Ça, il serait intéressant de savoir à quel endroit, à quel âge, et à quel endroit André Boisclair a été initié à la cocaïne? Parce que c'est exactement de ça dont on parle cet après-midi. Alors, on aura peut-être d'autres témoignages, faute d'avoir M. Boisclair. Des enfants de familles aisées, on vient de découvrir que des petits Boisclair à Paris, il y en a plein. Alors, c'est l'essence de notre sujet, puis du vécu, puis des expériences aujourd'hui. Son erreur de jeunesse est partagée davantage par les jeunes de la classe aisée que par les pauvres. Oh! Alors, 7900222. Et voici les sports avec Alain Cour au Doc Mailloux. Retrouvons le psychiatre Pierre Mailloux et notre animatrice, Janine Ross. Alors, on parle d'un phénomène qui a été, observé en France sur 1500 jeunes de 17 ans. Ceux qui étaient issus de la classe aisée consommaient davantage de drogues dures, d'alcool que ceux de la classe populaire ou pauvre. Et des pilules. Et oublier, faut pas oublier, à l'adolescence. Et les pilules pour les jeunes femmes surtout. Oui. Là, on parle à Manon Lacroix. Manon Lacroix, elle est, vous êtes psychologue? Oui, en bonjour, fait... Bonjour, madame. Bonjour. Oui, bonjour, madame Lacroix. Bonjour à vous. Alors, Manon. Oui. Qu'est-ce que vous faites de bon envie? Racontez-nous ça. Moi, je suis directrice d'un organisme communautaire qui est situé à la Chine. Oui. Depuis 10 ans que j'œuvre au sein de cet organisme-là. Oui. Et ce qu'on fait de particulier, c'est de mettre en branle des programmes de prévention en toxicomanie et en jeu compulsif pour aider les gens à se départir de leur dépendance ou en fait pour alors, les aider aussi. Oui. Alors concrètement, qu'est-ce que vous faites et quels ont été vos résultats à date? OK, jusqu'à maintenant, moi personnellement, là, j'ai rencontré à peu près 6000 enseignants au cours de ma carrière pour leur donner des outils pour être en mesure d'aider les jeunes à faire des choix éclairés par rapport à leur consommation. Parce que donc, vous passez par l'école pour la prévention. Entre autres, en milieu scolaire, évidemment. On va parler davantage aux enseignants puisque ce sont eux, les éducateurs, qui sont en contact régulier avec les jeunes. Alors, pour être capable de les rejoindre, il fallait que le ministère puisse mettre en branle un programme qui leur a été attribué là, il y a quelques années et pour aider les jeunes à déployer leur habileté personnelle et sociale. Parce que plus un jeune a de l'estime de lui-même, plus il est capable de s'affirmer, plus il est capable de prendre une décision, de se responsabiliser. Une chose est certaine, c'est que la drogue ne prendra pas toute la place dans sa vie. Ouais. Il va l'utiliser parce que, pour faire comme les autres, faire comme les autres, parce que ça vient dans le témoignage de Sylvain Turgeon que vous connaissez, je pense que vous travaillez ensemble. Oui. Et c'est ça qu'il dit, à 13 ans, il dit, je voulais devenir un notaire ou un avocat, et tout à coup, l'année suivante, c'était autre chose. Moi, j'étais le king parce que j'étais le plus gelé de l'école. Alors, c'est ça, vous parlez d'appartenance, En fait, que Sylvain, puis comme bien les toxicomanes, ce qu'il recherchait à travers la consommation, c'est la reconnaissance. Oui. Alors, étant un besoin comblé, il était reconnu de ses pairs, PAIRS, et ce qu'il a fait, c'est que ça lui a donné un côté avantageux. Alors, quand ça donne plus d'avantages à la personne, c'est sûr et certain qu'elle va répéter le même scénario parce que c'est avantageux. Mm-hmm. Tant aussi longtemps qu'elle ne vivra pas les conséquences désavantageuses de ses actions, elle va y rester. Oui. Et quand ça dure 17 ans... La toxicomanie est difficile à déraciner parce que la personne vit aussi beaucoup d'avantages, que ce soit les amis. Je ne dis pas que c'est les meilleurs amis du monde. Manon, la classe, le niveau social ou niveau économique de jeunes
auquel vous vous adressez. Parce que là, on a une étude qui nous arrive de la France, de Paris, oui. Là, puis qui nous dit que les jeunes de familles aisées se droguent, boivent plus et prennent plus de pilules que l'équivalent des classes moins favorisées. Est-ce que ça correspond à votre expérience personnelle? Non, pas du tout. Expliquez-moi. Je vais vous dire pourquoi. Parce que les jeunes sont les jeunes, OK? D'un océan à l'autre, ou d'un autre pays, là, qui est capitaliste, OK? On n'en demande pas moins que les jeunes vont vouloir faire l'expérience d'eux parce que les autres le font, puis parce que c'est drôle, parce que c'est le fun, puis parce que bon. Ça, c'est pour tout le monde. C'est valable pour tout le monde, d'après vous. Je dirais, là, que 90 % des jeunes vont faire l'expérience un jour ou l'autre d'une drogue illicite. Oui, mais là, on parle pas d'essayer, on parle de se droguer, ce qui est pas pareil, là. Bon, OK. Il faudrait définir c'est quoi se droguer. Se droguer, c'est d'en prendre assez souvent. Une fois ou deux, là, on oublie ça. Je peux prendre un joint puis je me drogue ce soir-là. Mais une fois l'utilisation là, occasionnelle, on parle pas de ça, là. On parle de ceux qui en prennent toutes les semaines. Qui peut devenir chronique. Ceux qui en prennent pour la peine puis qui boivent pour la peine. Saviez-vous, monsieur, qu'à peu près 5 % des jeunes ont un usage problématique des drogues? Oui. Donc, c'est très peu, OK? 5%. C'est sûr et certain qu'on va nous brosser un tableau noirci, là, que la plupart des jeunes se droguent. C'est peut-être vrai que la plupart des jeunes se droguent, mais pas au point où ils en laissent leur vie. Okay, pas au point d'aller vers une dépendance qu'on pourrait appeler... T'es obligé là, de revenir à prochaine dose. Mais c'est plus alarmant que ça l'était, je l'accorde avec vous. Là où c'est différent d'une classe sociale à une autre, c'est au niveau du type de substance que la personne peut consommer. Okay. Une personne qui est démunie, complètement démunie, je vous parle, par exemple, quelqu'un qui peut vivre dans le Grand Nord, peu importe les raisons pourquoi elle est là, elle va aller vers des drogues qui sont accessibles à elle, c'est-à-dire des solvants volatiles, c'est extrêmement dangereux. Drogue et alcool. Drogue et essence. Exactement. Non, c'est-à-dire colle et essence. J'en ai traité des Amérindiens. Exactement. Alors, la première chose qu'ils vont prendre, eux autres, c'est de la colle puis de l'essence. Ben oui, parce que c'est accessible. Ouais. Bon. Alors, puis si tu vas dans des classes plus huppées, ben ils vont peut-être prendre plus. Ben là, la mode c'est l'ecstasy, c'est ce qu'on appelle MDA. Ils vont prendre cocaïne dans certains cas. Ce n'est pas le fruit du hasard, n'est-ce pas, Manon, que André Boisclair ne prenait pas du cannabis, mais prenait de la poudre, prenait de la cocaïne. Ben André Boisclair, je voudrais pas faire son procès. Mais je veux dire une chose, c'est que si cette personne-là a consommé une fois par hasard, ou peu importe les raisons qui l'ont motivé à utiliser cette substance-là, ça ne fait pas de lui nécessairement, obligatoirement, un cocaïnomane. Un cocaïnomane, à un moment donné, arrive dans la rue. Et vous avez la preuve, regardez en page 22, là, Sylvain Turgeon en est un exemple flagrant. Et quand est-ce que ça bascule, justement, Manon, de votre expérience? C'est que quand la drogue prend toute la place, c'est-à-dire que tu ressens un effet bénéfique. Regardez, toute personne humaine se comporte en fonction des avantages qu'elle y perçoit et en fonction des besoins du moment. C'est sûr et certain que si je demande à quelqu'un, c'est pas ton besoin, il va dire de quoi qu'elle parle là, OK? On peut pas nécessairement dire le besoin d'être aimé, besoin d'être reconnu, besoin. On a tous des besoins, ils sont tous légitimes. Le problème, c'est la façon de répondre à nos besoins. Si, par exemple, tu vis beaucoup d'anxiété et tu consommes de l'alcool ou du cannabis, OK, et que tu as une réponse positive, par exemple, tu es relax et tu es beaucoup plus calme, c'est sûr et certain que la personne va répéter l'expérience. Ça l'a comblé un besoin. Non seulement ça l'a comblé un besoin, mais ça lui a amené une réponse positive. Donc, c'est avantageux. Elle va répéter. Oui, et c'est facile. C'est facile, donc, probablement, de se retrouver dans cet état-là. Et tranquillement, pas trop vite, c'est sûr que la pression sociale des autres jeunes, les amis, dans le cas, par exemple, de Sylvain, si on prend son exemple, et comme bien d'autres jeunes, faire comme les autres, c'est devenu... Puis en plus, lui, il s'est retrouvé qu'il est devenu du jour au lendemain le king. Oui. Alors, il a fait un jeu d'association inconsciemment. Parlons pas trop d'un cas en particulier, parce que ces problématiques-là varient beaucoup d'un cas à l'autre. Vous avez mentionné tout à l'heure mettre l'accent sur les habiletés personnelles et sociales. Ça, j'ai aimé ça. Expliquez-vous un peu plus là-dessus, parce que là, vous marquez des points, là. D'accord. Habileté personnelle et sociale, les auditeurs veulent savoir c'est quoi ça. OK. Donc, pour renforcer l'image que la personne peut se faire d'elle-même, pour amener une personne à répondre à ses besoins ou être capable de gérer les différentes situations de la vie quotidienne, une personne
déjà quand elle est petite, il faut l'équiper. Hein? Qu'est-ce qui fait qu'une personne développe des problèmes de toxicomanie à l'adolescence? Oui, non, mais continuez, perdez pas votre point, là. Concrètement, les auditeurs veulent savoir, bon, ben, concrètement, c'est quoi développer les habiletés personnelles? Oui, concrètement. C'est de travailler l'estime, l'image que le jeune peut avoir de lui-même, son acceptation de ce qu'il est en termes de force et faiblesse, oui, mais davantage pointé sur ses côtés forts. Oui. Ensuite, tout le processus de prise de décision. Comment est-ce qu'on en vient à prendre une décision? Est-ce qu'on excellent. Garde non, merci, excellent, Manon. Excellent. Tiki-dou. C'est ça, l'affirmation. Oui, je suis en compagnie aujourd'hui merci. Du docteur Pierre de... Janine Ross. Consommation exagérée de drogues dures du côté des adolescents qui sont plus aisés, de familles plus aisées. On note ça en France. Ici aussi, selon plusieurs témoignages, ça pourrait être le cas. Et, dépendamment des groupes où c'est étudié. Tu sais, on convient-tu que à la Chine, là, je sais pas quel est le salaire moyen par... comparativement à Outremont, mais c'est pas tout à fait la même chose. On n'a pas de chiffres, c'est sûr. Il faut faire des moyennes sur des grands groupes. Alors, on va au propos maintenant de Claude. Bonjour, Claude. Madame Janine, je vous salue beaucoup. Puis, Monsieur Maillot, vous salue beaucoup. Oui. Puis, Madame Janine, je vous dis que vous êtes brave en sac à la boîte de rester avec cette affaire-là qui est à côté de vous. Arrêtez donc. Parce que des fois, il vous lance des affaires. Moi, j'y dirais, hey, bon, non. Puis, docteur Maillot, peux-tu vous dire que vous n'ayez pas vendre? Bon. Parce que vous êtes d'une franchise épouvantable qu'on ne retrouve pas ben au Québec en 2006. Mm. Puis si vous avez resté pendant 10 ans à radio... 10 ans et demi. Mais... Peux-tu vous dire qu'il y en a une calvaire de gang qui vous écoute? Il y a une raison, ça c'est sûr. Ben, en tout cas, moi j'ai dans ma vie... Y compris ceux qui m'haïssent. Oui, puis même si vous aillez, ils vous écoutent plus, oui. Vous non, mais le commentaire le plus drôle, Claude et Pierre, quelqu'un qui dit « Moi, Pierre Maillot, je l'écoute rien que pour le haïr, ça me fait assez de bien. » ça va dans le sens de ce que vous dites tous les deux. Docteur Maillot, dans la vie, je pense qu'il faut être GBS, hein, gros bon sens. Ben oui. Je pense que Janine puis Docteur Maillot, là, vous êtes d'un GBS rare. À votre question que oui. Vous me posez. Moi, je vous dis, j'ai été pendant 20 ans en éducation à Joliette, puis j'ai été 8 ans à faire mon cours classique dans la même calvaire-le-boîte au cégep. Oui. Puis j'ai été au cours classique avec les classes inviateurs qui m'ont éduqué, qui m'ont aidé, puis qui m'ont empêché d'être délinquant, ça, je dois le dire. Oui. Parce que j'avais pas été élevé chez nous, j'avais été un petit adulte miniature à 8 ans. Ah oui. Donc, ils m'ont placé dans le droit, pas à peu près. Ils ont dit, j'ai été un gars qui aimait ça jouer beaucoup dans les sports. Ils m'ont enlevé des sports, puis ils ont dit, tant que tu veux, quand tu seras pas gentil, tu joueras pas. Ben, je me suis dompté parce que j'aimais ça jouer au sport, tu sais. Okay. Mm-hmm. Alors, votre question, là, je vous dis une chose. Au cégep de Joliette, il y a une école qui s'appelle l'Académie Antoine Manceau. Excusez-moi. Mm-hmm. C'est la poursuite des clercs inviateurs. Oui. Les parents qui inscrivent leur enfant dans cette école secondaire poursuite classique se tapent beaucoup les bretelles parce qu'ils disent une ville, la Joliette, c'est une ville snob. Seulement, regardez le Berlin, que ça veut dire qu'on comprend tout. Ils disent qu'ils aiment ça, leur enfant va à l'académie. L'enfant va à l'académie en tour de Manceau, c'est pas la main en sac à la main. Oui. OK? Mais est-ce qu'on les met à l'abri de madame, ce don à... Madame Janine. Oui. Moi, j'ai été, pendant un bon bout de temps, cadre directeur des services aux étudiants au cégep de Joliette, et j'avais à côtoyer ces gentils petits miniatures enfants. Puis je dois vous dire que dans le stationnement du cégep de Joliette, j'avais de mes anciens étudiants du cégep qui avaient des économes et qui venaient vendre des pilules et de la drogue. À qui? À ces petits-enfants de familles bien nantis. Qui ont l'argent pour payer. Comprenez-vous? Fait que quand la madame Manon ose pas se prononcer avant moi, là, ouais, qui a dit là, que « Ah, papa, papa, vous du violon, puis vous l'avez arrêté, demandez le docteur Maillot, bravo », parce qu'elle répond pas à question. Moi, je vous dis que oui, les personnes qui sont mieux nanties se payent de la crestie de bonne drogue, tandis que moi, mes étudiants carottés BS se payaient de la marde. Mm. Puis ils étaient malades, puis ils étaient dégueulasses dans mes parties, parce que moi, j'avais à m'occuper des parties étudiants au cégep de Joliette. C'est vous combien que je passais de caisses de bière dans un party, puis il y en avait 7 par année. Je passais 250 caisses de bière par party. Ah, voyons, vous. C'en ouais. Est, ça. C'est une mer de bière. Ouais, ça, c'est pas des nouvelles, là. Oui. J'ai fait ça pendant 5 ans. Puis à se surveiller party, puis à ouvrir les lumières à 2 heures pour dire tout le monde dehors, puis je marchais dans un pouce de bière.
OK, puis je retrouvais des brassiers puis des culottes, tout ce que vous voulez dans le fond de la salle. Oh, vous êtes mauvaise langue, là. Vous exagérez. Non. Mais, Dr. Mailloux, vous avez ça à être franc. Je suis très franc. Puis je dois vous dire que mon nom, c'est Claude. Puis le nom, mon prénom, c'est Claude. Oh. Puis mon nom, c'est Vincent. Puis mon frère, c'était Paul Vincent, le gérant de drogue voisine. Mm-hmm. Puis quand mon frère était au secondaire, mon père, il avait pas d'argent pour y payer de la drogue. Il sortait de la cochonnerie. Puis quand il est tombé multimillionnaire avec drogue voisine, il se payait de la coke. Savez-vous combien ça a coûté de coke la dernière année que j'ai vécu, mon frère, le Doc Mailloux, et Mme Hanin? Mm. Ça a coûté 250 000 $ de drogue. Oui. Un quart de million. Oui. En un an? Dans un an, monsieur Mailloux. Il était avec un autre... Et quel âge avait-il à ce moment-là? 42, 43 ans. Bon. Oui. Mais il est resté, Claude, ce que vous laissez sous-entendre, c'est qu'il a commencé au secondaire, oui. Puis il n'a jamais arrêté. Mon frère, ça faisait 25 ans qu'il se poudrait. Bon, puis il avait commencé avec la drogue populaire, puis... Avec du facile. Oui. Puis des affaires de cochonnerie. Parce que les drogues qu'on vend, là, à gauche pas à droite, je l'ai fait analyser, moi, au collège. J'ai pris un petit cul qui était en train de se poudrer le nez, ses toilettes, dans un party. J'ai pogné son stock, je l'ai fait analyser. Oui. C'était de la cochonnerie. C'était quoi? Ben, Docteur May, je ne peux pas tout vous dire si j'avais dedans, moi, sorti des sacs, des grands noms, là. Ah, OK, c'est un mélange concocté, oui, chimique. Oui, mais chimique, là. T'as des bombes, ça. Il y avait juste que, d'après moi, il y avait juste que du parfum, il y avait juste que, de la fleur de la one. Je sais pas quoi, là. Cochonnerie. Ah, oui, des affaires de produits de poudre, oui, pour le, mais, comment? Les rats, là? Oui, des Ajax. Oui. Mais acceptez, Docteur May, vous êtes médecin. Vous savez très bien que comment on dit ça, là? Quelqu'un qui, dans sa tête, si son cerveau dit « je vais me geler », il va avoir n'importe quoi devant lui puis il peut se geler. Mm. C'est psychosomatique, hein? Ouais, mais ça peut... C'est les placebos, là. Oui. Vous amenez un point, oui, effectivement, il y a des individus qui, ayant connu une expérience antérieure de drogage, peuvent, à la seule vue du produit, même si c'est une poudre inoffensive, ressentir exactement les mêmes effets. Ça, c'est décrit souvent par des drogués. Ça a été essayé, ça, Jeannine. Puis vous êtes médecin, vous le savez. Oui. Puis j'y crois à ça, Dr. Mailloux. Oui, oui. L'autre point que je vais apporter, parce que je vais laisser la place à d'autres. Oui. Moi, je vous dis, Dr. Mailloux, tout ce que vous avez dit au début, là, on a une sac à la boire de belle jeunesse. Puis là, je l'ai lu l'article dans le journal ce matin. Oui. Puis je vous dis une chose, là, hein. J'ai été enchanté de, comme vous l'avez dit au départ, de retrouver cette moyenne d'âge. Dans les relations sexuelles, les premières relations sexuelles. Oui, oui. Parce que, Dr. Mailloux, répondez-moi une chose. Madame Janine pouvait aider aussi. Mais pourquoi que les baby boomers puis les vieux calvaires de troisième âge, là, ils ont tendance à lancer des roches à nos jeunes? Pourquoi j'ai une réponse à ça. Alors, envoyez donc, Dr. Mailloux, dites-moi. Frustration importante dans leur incapacité ou suite à leur incapacité à s'épanouir dans leurs aptitudes et leur sexualité. Mais tu dis pourtant, Pierre, si on parle des baby boomers, c'était la première génération à avoir le plus de liberté qu'à n'importe quelle autre époque. C'est difficile de comprendre. Quel est le pourcentage de femmes baby boomers qui ont eu un orgasme une fois de temps en temps dans leur vie? Ben, ils avaient des chances. Ça, mais ils avaient la chance d'en avoir, ils avaient la contraception. Mais ça évolue pas, ce rythme-là. Oui. Mais il y a eu plus de femmes. Bon, c'était mieux que leur mère, mais c'est pas le Pérou. Clito, il connaissait pas d'autres. Non, le clitoris, écoute, il y a eu une étude là-dessus. Pourtant. Ils ont soumis des planches anatomiques à des femmes et des hommes. Et je me souviens pas des chiffres, c'était ahurissant. Le pourcentage de femmes qui n'étaient pas capables de pointer, OK, sur une planche anatomique, sur un dessin, là où est le clitoris. Alors qu'on n'a jamais tant parlé de sexualité que depuis les 40 dernières années. Oui, des choses aussi élémentaires. Et... Je pense que c'était 60 ou 70 % des hommes étaient pas capables de montrer sur une image, une photographie de vulve, où était le clito. Ça, chez les hommes, c'est correct. Mais qu'il y ait, par exemple, 45, 50 % des femmes qui sont pas capables de le localiser, on a un maudit problème, là. Hey, Dr. Mailloux, je vais vous dire de quoi. Ma mère, elle disait à mes sœurs, on avait quatre sœurs. Elle disait, allez voir ça, c'est pas si drôle quand je vais se marier. Tu sais, je comprenais pas ça quand j'étais jeune, moi. Oui. Mais quand mon père arrivait chez nous le soir, puis quand il prenait 5 minutes à avoir une relation avec ma mère, avait eu le dos à quelque part, là. Ben, écoutez, elle a passé sa vie à être copulée à sec, sans même être excitée sexuellement. C'est pas une partie de plaisir, ça, là. C'est ça. Ça laisse des séquelles. C'est probablement. Plein, cette génération-là, ils ont été copulés à sec presque toute leur vie. C'est pas un cadeau. Puis là, on parle même pas d'orgasme. Non. Il était même pas lubrifié. Non, le gars était suspect de se masturber. Hein? Le bonhomme était suspect de se masturber. C'était pas comique. Non, mais là, tantôt, vous avez posé une question, Dr. Mailloux. Oui. Peux-tu rajouter un petit commentaire? Allez-y, rapidement. Rapidement, est-ce que ça se peut que les bébés boomers
parce qu'ils ont choisi, comme Mme Jeannine disait au départ, d'avoir leurs deux télévisions, leurs trois chars, puis leur voyage, puis leur lunch, ça se peut-tu qu'ils garochent leur culpabilité sur les profs qui disent que c'est une gang de karaté, puis ça va le tout l'éduquer? C'est dur à dire, hein? Ça se peut-tu que ça soit ça? Que quand t'as pas été capable de faire ta job, faut que tu mettes ça sur le dos de quelqu'un d'autre. Ah, de l'éducation enfants? Oh, oui. De leurs enfants? Ça se peut, ça. Vous savez, c'est pas une génération qui a quelque chose à apprendre. Regardez ce qu'a fait Pauline Marois. Quand elle a décidé d'encourager les femmes à crisser les bébés dans des garderies, j'ai trouvé ça, j'étais le seul à m'insurger au Québec. Je trouve ça épouvantable. Dégueulasse. Ouais. Mais c'est Pauline Marois, une femme instruite, travailleuse sociale de formation. C'est que le message a été que les mères qui restaient à la maison étaient des incompétentes. C'est ça qui est resté dans la tête de tout le monde. Puis là, elle à véhiculer l'idée que les éducatrices dans les garderies pour bébés feraient une aussi bonne job, sinon meilleure, que des mères naturelles. Calvaire. Hey, Claude! Ouais. Claude, tribu.com. Oui. Mais on vous laisse... Bon, merci. Il l'en fait pas, hein? Puis votez à la bonne place. C'est fait! Le bloc, bon, Dr. Mailloux, là. Hey, oui. Hey, Claude! Le bloc, une gang de parasites, mon homme! Ben, Dr. Mailloux, dernier commentaire. Oui. Quand ils ont demandé à Duceppe, le fils d'un acteur, c'est des reines d'acteurs qu'il y a eu, qui continuent à acter. Oui. Mais quand ils ont demandé d'être le représentant du PQ au Québec, il a refusé sacrément parce qu'il allait trouver de travailler. Bon. Hey Claude, juste avant qu'on se quitte, vous avez parlé tantôt de votre frère. Oui. Il y a eu une biographie sur lui, récente, puis justement, on dit le contraire. Est-ce que ça a été caché? Ben, qui a consommé de la drogue à ce point-là? Pauvre madame, l'histoire de mon frère, je la connais par cœur. J'ai souvent demandé à mon frère Paul, qui dit, tu fais un bon job avec voisine, t'es heureux, t'es intelligent dans ce que tu fais. Il dit, pourquoi t'arrêtes pas? C'est ça, carrément, de drogue-là. Puis, Rogue Voisine, la dernière année qu'il était avec Paul, il était en Europe, Paul était à Montréal. Oui. Rogue Voisine, il disait à mon frère, Paul, il voulait qu'il se fasse désintoxiquer. Oui. Mon frère l'envoyait chier. Puis, savez-vous la dernière chanson que Rogue Voisine a faite quand il a fait sa chanson? Il a fait la dernière tune que lui a faite, là, Deliver Me. Oui. Oui. Qu'est-ce que vous pensez que ça tourne dans ma tête, moi, Deliver Me? Moi, je suis pas sûr si mon frère n'a pas été forcé à un moment donné de baisser ses pulsations. Docteur Mailloux, vous savez de quoi je parle? Quand un gars prend de la coke, il monte ses pulsations assez élevées, L'adrénaline. Ouais. Mais voyez-vous, ça a été caché dans la biographie. On disait qu'il n'avait pas consommé. Vous êtes son frère, puis vous le dites. Docteur Mailloux, Rogue Voisine n'a pas fait aucun calvaire de commentaires dans la biographie de mon frère. Vous savez pourquoi? Non. Parce que Rogue Voisine, il n'a pas été capable de se trouver un gérant comme mon frère. Puis depuis que mon frère est mort, Rogue Voisine, il fait quoi? Mais il a pas craché dessus, par exemple. Non, il ne pouvait pas cracher dessus, il l'a mis au monde. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Claude. Ben, ça me fait plaisir, puis là, je ne fais pas. Hein. Bye. Tu de milieu aisé au Québec, est-ce qu'ils ont le même problème que ce qu'on remarque en France actuellement à la suite de sondages assez poussés? Ils sont plus en contact avec les drogues dures, ils prennent plus d'alcool que dans les classes populaires, les classes à revenus moyens. Et plus de pilules. Jeannine, un petit courriel de Ginette. Hello Doc et Jeannine, c'est bien vrai ce que vous dites. J'ai pris de la drogue pendant quelques années pendant mon adolescence. Et devinez pourquoi j'ai arrêté? Parce que je me suis aperçu que j'avais plus de plaisir quand j'étais lucide. Tout passe par le plaisir. Ouais. Ben, va un peu dans le même sens que Manon tantôt. Oh oui. Hein? Le plaisir qui va... Quand t'as plus de plaisir d'un côté, c'est-à-dire à être sobre, qu'à consommer les drogues dures et tout ça. Pas, oui, mais il y a une nuance ici, là. C'est que, et je reviens là-dessus, je pense pas que Ginette ne référait pas à ça, mais à autre chose que j'ai mentionné. Les enfants, les petits-enfants qui sont privés de plaisir ludique légitime, c'est-à-dire du plaisir ressenti en échafaudant des petits jeux. Oui. Les enfants qui sont privés de ce plaisir-là vont devenir facilement des adeptes d'un paradis artificiel que génère la drogue, parce qu'ils n'auront pas eu très tôt la possibilité d'habituer leur cerveau à sécréter des endorphines, ces drogues naturelles qui sont légèrement euphorisantes. Oui. Alors, la lucidité. Tu comprends? Oui, oui. Alors, il est important, chers parents, de permettre aux tout-petits de régulièrement ressentir du plaisir. Puis, il me vient l'image, Pierre, de la boîte, de la grosse boîte de carton. Tu ouvres des fenêtres là-dedans, là, puis les petits-enfants vont se cacher là-dedans. Puis, ils barbouillent ça à leur goût. Puis, comme,
comme ça se faisait avant. C'était simple, hein? Mais ça, ils ont un plaisir fou. On appelle ça le plaisir ludique. Oui. C'est-à-dire le plaisir qui est ressenti au fur et à mesure qu'un jeu est élaboré. Oui. Et ça ne coûte pas cher, j'aime autant te le dire. On parle à Pierre maintenant. Bonjour, Pierre. Oui, bonjour. Bonjour, Pierre. Moi, je doute de Roger Drolet. Je doute de Dieu. Je doute des clercs Saint-Viateur parce que j'y suis allé il y a longtemps à Matane et ma délinquance n'a pas diminué. C'était les plus grands dégénérés que j'ai connus. Mais je ne doute pas de vous quand vous voulez sauver les enfants. Je ne doute pas de vous quand vous parlez de ces mères absentes dont j'ai souffert et de ces pères aussi absents. Je suis membre des Alcooliques Anonymes. J'engage pas mon mouvement dans ce que je vais dire. Je travaille auprès des gens atteints du sida et toxicomanes. Mm-hmm. L'accès aux drogues, Pierre, ce n'est que plus facile chez les gens aisés. De la drogue, de la bière de meilleure qualité, j'en doute. Ceux qui sont pauvres passent par la prostitution. Pour avoir accès pour à ça. Pour se procurer autant de drogues de qualité et d'alcool de qualité pour fuir leur réalité. Moi, je vous parlais de moi. J'étais malheureux, père et mère présents physiquement, mère idiote et père absent. C'était le travail de la ferme et j'avais pas le temps de jouer. J'avais pas le temps de mettre mes petites voitures dans ma petite flôme, comme on appelait dans le temps. Oui. Voyez-vous? C'est en plein ça, vous avez tout compris. Gros trou de cul, tabarnak, il y a de l'ouvrage. C'était et ça, on là. M'avait adopté, pas pour m'aimer, mais pour prendre la ferme plus tard. Ce que je n'ai pas fait, parce que j'aimais les études, j'aimais la musique, j'aimais la radio. Je doute de cet article-là, je le reprendrai. Les jeunes de milieux aisés ont plus accès facilement aux drogues. J'argumenterai pas avec vous. Parce que ce que je racontais tantôt, Pierre, des pères qui vont donner $75 d'argent de poche à un garçon de 17 ans, il n'y a pas besoin de travailler. Pour ça, c'est un cadeau. Ça donne accès à... J'ai connu un beau bonhomme qui est décédé aujourd'hui, toxicomane, sidéen, très beau bonhomme, style Tom Cruise, très pauvre, qui venait du Cap-de-la-Madeleine, et il se prostituait, et il prenait pas de la cochonnerie. D'ailleurs, dans la consommation de coke, ça commence toujours comme ça. Des trucs pour du verre concassé. Au début, on te donne de la bonne. Après ça, on te donne du verre concassé, des trucs pour déboucher les éviers de cuisine, etc. La qualité diminue et diminue et diminue. Même si tu payes, t'as même pas de contrôle si sur la qualité. Même si tu payes, que tu sois riche ou pauvre. Je fais partie d'un mouvement. Venez au meeting, Doc Mayou. Il y a des avocats, il y a des pauvres. Il y a des ex-détenus, il y a des fuckés mentales. On est toute une gang de malades qui se réunissons pour se rétablir un jour à la fois. Mais il faut se grouiller le cul, il faut sortir de chez nous. Je doute. Ce n'est pas les riches qui sont plus le danger, c'est ceux qui ont la prédisposition à devenir dépendants. Ça ne touche pas plus les riches que les pauvres. Bon, parce que la dépendance, qu'est-ce que disait tantôt... La psychologue, la prédisposition, ça veut dire que il y a peut-être 3 ou 4 % de ceux que je connais, je parle des alcooliques anonymes et autres dépendants, OK? 3 ou 4 % de la population. Et malgré tout ça, je parle de chronique, là. Moi, je serai toujours alcoolique, mais je voyage pas avec ça. Un jour à la fois, et il n'a que 1.2 ou 0.5% qui vont éviter la folie, la rechute, l'hôpital, la mort, puis le plongeur quartier. Non, tu restes et toujours. Ça touche tous les milieux, Doc Mayou. Je doute de cet article-là. J'ajouterai un mot. On plus facilité d'accès. Ils n'ont peut-être pas besoin de se prostituer. Puisqu'ils ont le cash. Et le problème, c'est
ils sont mal avec leur réalité. J'ai entendu. À la maison, oui, ils sont abandonnés. Monsieur Pierre, j'ai entendu votre point. Oui. Maintenant, qu'est-ce que j'allais dire? Donc? On vient de le perdre. Ils sont abandonnés. Ouais. Moi, j'étais seul chez nous, avec un fantôme de mère. Ah, je viens de retrouver mon point, monsieur Pierre. Oui. Vous savez, on a blâmé ouvertement depuis 8-10 ans. On blâmait, on mettait tout sur le dos de la pauvreté. Non. Et cet article-là a au moins l'avantage de venir nous dire en pleine face, non, les enfants, les adolescents de milieux aisés en prennent plus et du gros stock que les enfants pauvres. Ils ont plus accès. Parce que je commençais cette année qu'on vomisse sur les jeunes filles avec leur pseudo-précocité sexuelle et qu'on vomisse sur les jeunes des milieux pauvres. Alors là, on va arrêter de vomir. Mais il y a une chose, mes deux pierres, oui. Là. Oui. Quand vous parlez de 3 à 4% qui sont à risque, là, ils commencent à prendre ça puis ils restent accrochés. Absolument. Mais le reste, Pierre, qui travaillait là, avec cette clientèle-là, oui. Il reste quand même de nombreuses années accrochés. Il y en a qui n'ont pas de prédisposition, mais à force d'en prendre, on dirait qu'ils restent sans être capables de s'en sortir. Oui, c'est pas un groupe homogène, là. Il y a toutes sortes d'affaires là-dedans. À un moment donné, Jeannine, je vais vous parler de moi, là. Parler des autres, c'est trop facile. À un moment donné, là, avec ta calice de bouteilles de bière, là, elle ne t'apporte plus de joie. Oui. Elle ne te fait plus partir. J'ai 44 ans, je suis pas une génération de poteux, j'ai pas aimé ça. Bon, même si j'écoutais Pink Floyd puis Genesis. Vous, à un moment donné, moi, j'ai perdu beaucoup mes études, un bel job à radio, à Rimouski. Mm. Mais à un moment donné, là, tu bois, t'es plus content de boire. Mm. Tu bois pas, t'es pas content de ne pas boire. Mm. C'est là que commence le bas fond. Et le risque, j'avais des prédispositions. Vous pour en être un alcoolique. Mm-hmm. C'est là, les jeunes de riches ont peut-être plus accès à atteindre ce, entre guillemets, bas-fond-là. Excellent. Mais les pauvres ne sont pas exclus. Écoute, on est d'accord facilement sur un point. On va arrêter de blâmer les pauvres comme étant les porteurs ou les vecteurs de tous les problèmes sociétaux. Absolument d'accord. Excellent, avec mon bien. Merci. On lâche pas. C'est la même chose ici que ce l'est en France. Les jeunes des quartiers aisés consommeraient davantage de drogues dures, d'alcool. Mais c'est ça, est-ce qu'on a le même profil ici? Alors, on va tout de suite au propos d'Alain. Bonjour Alain. Bonjour. Bonjour Alain. Bonjour M. Mayou. J'aime beaucoup votre émission. Vous choquez bien des fois, puis des fois je suis bien d'accord. Mm-hmm. Moi, je trouve la conversation que vous avez en ce moment, moi, je la dirige vraiment exclusivement vers les écoles. Tout simplement parce que on va commencer, on va briser des légendes, premièrement. La première légende, c'est que le pot est illégal. C'est une légende si on connaît ça un peu. Personne n'est dérangé par le pot. Ouais. Il en circule tellement, Alain. Les jeunes ne savent même pas que c'est illégal. C'est normal. théoriquement, c'est illégal, mais moi, j'ai déjà entendu des groupes dire « Nous autres, on vend juste du pot parce que la police nous écœure pas. » OK? Ce que le gouvernement est en train de faire en permettant ça, en s'ouvrant pas les yeux, en sortant pas de la tête du sable, c'est qu'on laisse le crime organisé continuer. Puis là, on parle pas de millions, on parle de milliards. On parle de profits astronomiques. Alors, pour eux autres, d'amener ce produit-là dans une cour d'école, il n'y a aucun problème. Puis les milliards qu'on leur fournit à permettre que ça reste, leur permet de vraiment bien encadrer nos enfants là-dedans. J'essaie de suivre mes enfants, mais je sais que mon gars, c'est plus facile pour lui de se procurer 5$ de potes, parce que je fais attention pour pas y en donner trop, mais il peut se procurer à ce prix-là, oui. Que de se trouver une bière ou dans un paquet de cigarettes. Je sais aussi que... Alain, vous me faites plaisir cet après-midi. Pardon? Vous me faites plaisir. La lutte contre la cigarette est gênante. La Ligue des bonnes femmes, là, je pense qu'il va falloir faire attention. C'est ça, justement. Hey, la croisade anti-cigarette est en train de banaliser l'utilisation de la drogue, qui, soit dit en passant,
est autrement plus sérieuse et grave que la maudite cigarette, on peut-tu laisser le monde tranquille avec le top? Ça pourrait être plus dur pour les poumons. Ça, parce que le pot, c'est pire pour les poumons que la cigarette. C'est ça, strictement, c'est ça. puis là, c'est comme, genre, moi, j'aimerais ça, là, c'est comme, moi, j'aurais goût d'aller pour la légalisation du pot, mais je veux pas envoyer un message comme, je suis pour ça. Non, écoutez, Alain, on va arrêter de se gêner. Je suis en faveur de la légalisation urgente du cannabis au Canada. Pour le contrôler et de mettre une société... Non, pas le contrôler, l'étudier. Avant de le contrôler, on pourrait peut-être l'étudier. Mais aussi, Pierre, pour éviter qu'il se passe de la cochonnerie, là. Puis qu'il y a des jeunes qui se tapent espèces d'État qui n'ont pas d'allure. Le cannabis, c'est pas tellement inquiétant, savez-vous pourquoi? Parce que j'aimerais que quelqu'un me dise combien de 100 000 Québécois cultivent du pot chez eux. Ouais. Vous feriez le saut. En tout cas, j'aime autant vous le dire que dans le comté de Maskinongé, il y a un maudit paquet qui cultive le pot. Alors là, Maskinongé n'est sûrement pas une exception, n'est-ce pas, Yvon? Tu sais, je réfère à Yvon Picotte, là. Yvon, je suis pas mal sûr qu'il serait d'accord avec moi que Maskinongé, c'est pas exceptionnel dans la culture du cannabis, là. Certains doivent être comme ça à peu près partout. Certains vont dire qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est lorsque je parle à mon ami Louis le matin sur Chicoutimi. Louis Champagne, écoute, culture du pot au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est exactement ça, ça. On a tous la tête dans le sable avec cette histoire-là. Puis là, on défend au monde de fumer, puis il va y avoir une police de la cigarette. Êtes-vous tombé sur la tête, aisé, les cocos? Moins aisé, Alain. Les jeunes ont accès à tout ça très facilement. Savez-vous au moins, là, à la télévision, ils font de la pub pour aller acheter de l'alcool, mais au moins, ils font de la pub pour parler d'abus. Parce que là, tu sais, il faut parler de ça. Là, c'est un peu comme ils créent la loterie, puis après, ils vous disent de pas gager, tu sais. Vous savez, ce que vous avez dit, deux annonces pour lorsque vous dites que pour un jeune de 14-15 ans, il lui est plus facile de se procurer du cannabis qu'une bouteille de bière, comme société, on n'a pas avancé trop vite. Non. Puis une autre légende urbaine, là, c'est que la coke, puis toutes ces choses-là, ça commence par le pot. Parce que ça commence là. Absolument faux. C'est pas vous avez tout à fait raison. Demandez à André Boitler s'il a commencé par le cannabis avant de graduer à la cocaïne. Ça me surprendrait beaucoup. Ouais, mais plusieurs le maintiennent, par exemple. Ah non. Et moi, je vais vous dire, monsieur Mayou, quand on fume un joint, on gèle. Quand on fume une deuxième, puis quand on commence à fumer régulièrement, ça fait plus rien. Puis moi, là, ceux qui me disent que ça, c'est pas vrai, je vous dis, c'est faux, ça. Puis l'affaire là-dedans, c'est que le pot, c'est une belle entrée parce que la police n'est pas fort à checker ça. Alain, arrêtons d'interpeller le gouvernement et la police concernant le cannabis. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de monde qui sont utilisateurs. Ben oui, mais c'est justement pourquoi qu'on doit le légaliser. Mais oui, on est d'accord. OK, excusez-moi, je pense avoir mal compris. Alors, je suis d'accord avec vous. On accuse le monde, Écoutez, le gouvernement et la police ne peuvent pas venir à bout d'une attitude qui est largement répandue dans la population. Exactement. Voyons. Et moi, je crois pas que si on cherche à trouver des raisons de leur éducation puis tout ça, moi, je sais simplement que juste mes enfants regarder la TV puis de manger toutes les publicités qui viennent un après l'autre, c'est juste une guerre de faire comprendre qu'on peut pas avoir ça, on peut pas avoir ça, on peut pas avoir ça. Cette guerre-là, là, et puis quand on parle de marijuana, puis qu'on parle du crime organisé qui contrôle ça, on parle de milliards. Si on pense qu'on va arrêter ça... Pour protéger votre garçon, qu'est-ce que vous faites? Vous en parlez ouvertement, là, il vous parle du prix. Qu'est-ce que vous faites pour le suivre? J'ai réussi à avoir une conversation ouverte avec mon garçon parce que... Quel âge a-t-il, votre fiston? Pardon? Quel âge a-t-il? 15 ans. 15? Il rêve d'être un joueur de hockey. Oui. Puis, disons qu'il y a certaines choses dans sa vie qui l'empêchent. Puis j'essaie d'expliquer que ceux qui fument beaucoup de potes, ils rêvent beaucoup. Puis ils ont toutes sortes de grands rêves. Puis ça arrête pas. Ils en réalisent très peu. Ils en réalisent très peu. Vous avez raison. Mais je sais
sais plus quoi faire parce que je crois pas à l'attaché. C'est à peu près la seule chose que je pourrais faire. Donc, il continue, là. Il en prend de façon régulière. Il en prend. Oui. J'en parle. Mm. Il veut arrêter. On cherche même à déménager, pas en pensant qu'il va pas exister ailleurs, là, pas même peut-être pour un petit renouveau, puis que peut-être que les contacts seront plus là aussi faciles. Alain, on parle de beaucoup de choses. Traînez-le beaucoup avec vous. OK? Bye. Oh. Merci. Ouais, sortir avec son gars. Non, non, le traîner, pas sortir avec, le traîner. Travailler, faire les choses merci. Ensemble. Merci. Bon. Le traîner, ça veut dire l'amener. Mm. Dans tout ce qu'il fait. Changer les idées. Divertir. Pas le choix. Mm-mm. On parle à France. Bonjour, France. Bonjour. Bonjour, madame. France. Bon, j'étais pas sûre que c'était moi tout de suite. C'est vous. Bon, moi, pour la question, là, je dirais que moi, j'étais pauvre, puis j'ai un garçon qui, à 15 ans, il a commencé à prendre de la cocaïne. Mmh. Oh, avant d'être sûr, là, il y avait sa gang de chums qui venait. Tu sais, je le surveillais. Ben oui, mais France, c'est pas grave, la cocaïne. C'est une erreur de jeunesse. Notre ministre, il s'est poudré le nez. Je pense c'est une erreur. France réagissait autrement. Hein? Quand vous avez appris ça, vous n'avez pas trouvé que c'était très, très ordinaire? Ah, oh, j'ai trouvé ça terrible. Ah, moi, là, ça m'a fait mal, là. J'essayais de pas trop le faire voir, mais c'était... J'en revenais pas, parce que moi, je me vantais à mes amis que mon fils ne fumait pas, ne buvait pas. Ah, la suffisance n'a pas eu sa place. Oh, mais je me vantais. Quand elle a non, là, la France, par exemple, vous avez été puni par là où vous avez péché. Oui, madame, mon orgueil. Ouais, ça, là, s'enorgueillir de l'évolution de son enfant, ça, c'est moins chic. Oh, mais... Parce qu'il était grand, puis il était beau, puis il était intelligent. Il est encore, mais là, il est sobre, là, disons, mais ça a été dur. Combien d'années c'est, il est resté accroché? Ça a pas duré longtemps, parce qu'il y a eu de la drogue empoisonnée, là. Tu sais, un genre de drogue... Parfait! Ça l'a dompté! Parfait! Il a fait une... Il l'a trouvé dans le sous-sol, inconscient. Parfait! Il y avait des graines blanches, là. Ouais. J'ai appelé du secours, puis là, il déchissait... Y avait-tu mis un peu de PCP dans le stock, les crottés? Ah! Il y a peut-être mis un peu de PCP, il y en a qui s'est fait sans mot. J'ai déchiré son linge, là, puis j'ai appelé la police. J'ai dit, vous allez l'amener à l'hôpital. Hey, France, en quelle honneur qu'il était malheureux, votre fils? Il est fort, hein, 6 pieds, puis 200, là. France, oui? En quelle honneur, allons chez nous l'aspect physique de votre fils. Ouais. On a compris qu'il était beau, grand et intelligent, là. Pas nécessaire de le répéter à toutes les trois phrases. Mais, hein? Bon... Oui, vous avez beau rire. C'était quoi le problème? Comment ça se fait qu'il était malheureux, ce garçon-là? Ben, son père est alcoolique. Bon, merci. Alors, là, parlons de choses sérieuses. Oui. On s'enlève les doigts dans le nez, France. Oui. Disons que l'exemple paternel... Non, le père alcoolique... Mmh. Non, c'est pas ça, là. Le père alcoolique, ça a voulu dire quoi pour votre garçon? Il l'aimait. Moi, il ai montré à aimer son père, puis... Ouais, la naïve, monsieur, ouais. Ah ouais, c'est un ivrogne, mais aime-le. Aime-le, c'est ton père. Ben oui, aime-le, c'est ton père. C'est brillant, ça, de votre part. Bon. C'est intelligent, ça. Sauf que peut-être qu'il était capable de voir... Ah, vous avez fait une grande réflexion dans votre agir comme mais mère. Je suis fier d'avoir fait ça aujourd'hui. Ah oui, à forcer à amener son gars à aimer un ivrogne, ça, là, on est fiers de ça. Ben, là, aujourd'hui, il est sobre, mon fils, puis son père est mort. Ça fait bon, calme-toi. C'est peut-être pour ça qu'il France, est sobre. Allez réfléchir un petit peu, OK? Bye. Foutue. Oh. C'est pas évident de démêler Janine, tout ça. Mais Janine, oui. Le gars pas d'allure. Tu dis à ton fils, aime-le sans dessin. Ah oui, le petit gars avait pas matière. Le gars, à l'adolescence, il est malheureux, il est pogné. Il y a les boyaux tordus, monsieur, puis dans la poudre. On fait du bois clair. Mais défaire tout ça, ces espèces de nœuds familiaux qui n'ont pas de bon sens... On dirait que s'en aller dans des... Oui? Le jugement, là... Mais le père est alcoolique. Tu regardes, t'es adolescent, ton père est alcoolique. C'est pas Pierre. Là qu'est le problème. Hein? Il est avant la conception, Pierre. Le gars, laisse faire l'alcool. Le gars, pas d'allure. La mère dit au fils, aime-le, même s'il est sans dessin. Problème, c'est pas l'alcool, c'est un sans-dessin. Et le garçon. Sa mère lui fait aimer un sans-dessin. Et lui, il peut pas l'aimer. Elle l'a trompé, elle l'a dupé. Mais il peut pas. Le bonhomme, l'adolescent, là, il pouvait pas aimer son père, il pouvait pas le respecter. C'était contre nature quand même, on y imposait. C'est ça que j'essaie de te dire, Janine. C'est ça. La bonne femme, à quoi qu'elle a pensé? C'est l'espoir. Et notre animatrice, Janine Ross.
OK. Est-ce que c'est l'apanage des classes aisées que de consommer davantage de drogues dures que, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, les classes moyennes et pauvres consommeraient moins de drogues dures, d'alcool aussi? Alors, on continue. On va tout de suite à un témoignage. On parle à Manon. Bonjour, Manon. Oui, bonjour. Bonjour, Manon. Bonjour à vous deux. Moi, je vais rejoindre beaucoup une personne qui a téléphoné avant. C'est un monsieur Claude. Il était assez articulé, là, puis il parlait là, de la région de Lanaudière avec notre SUC Academy. OK? L'Académie Antoine Manceau. OK? C'est bon, c'est ça. Moi, pour vous donner un aperçu. Là, c'est l'après-midi des mauvaises langues. Oui, mais là, écoutez, là, moi, Qu'est-ce qui se passe là? Ben, vous en avez plein le chapeau, hein. J'en ai ras le pompon. Ok. Moi, je suis une travailleuse de rue. Ok. Oui. Ma job, c'est quand les jeunes font des fugues, assez souvent dans des centres de redressement, si on veut, dans des centres de désintox, quelque chose comme ça. Nous autres, ce qu'on a à faire, ben notre équipe, c'est de les retrouver avant, assez souvent avant, ben d'avertir la police, avant d'être obligé d'avertir les familles, avant, OK? Donc, moi, je travaille vraiment sur le terrain. Oui. Je suis avec les jeunes. Je sais ce qui se passe, OK? Et c'est de la bullshit, c'est ces enfants de riches là, c'est le bout de la merde. Je vais vous expliquer pourquoi. Environ 5-6 ans, ils ont fait un sondage, une étude qui avait été demandée par les CLSC, à savoir justement s'il y avait plus de drogue dans les écoles secondaires ou à l'Académie Antoine Manceau. Ou... Donc c'est très local là, ce que vous nous dites. Oui, hein? oui. La problématique de ce coin-là. De la région, des écoles publiques par rapport aux écoles privées. Parfait, oui. Là, les écoles publiques, bon, là, c'est sûr, bon, là, ils sont arrivés, c'est épouvantable, c'est effrayant, il y a des revendeurs de drogue, il y a eu des saisies, il y a eu des arrestations. À l'Académie Antoine Manceau, il n'y a rien eu. C'est sûr qu'il n'y a rien eu parce que le directeur n'a jamais voulu laisser rentrer les policiers. Pour pas salir la réputation. Oh, vous êtes mauvaise langue. Hey, vous rentrerez pas ici. On a une réputation à sauvegarder. Ils ont pas laissé rentrer. Oh. Mais vous. Sauf qu'eux autres, ils ont inclus ça, là, dans l'étude puis le sondage. Oui. Hey, ça paraît bien, hein. Ouais. Puis une autre chose aussi. C'est plus facile de travailler, ben pas nécessairement avec des jeunes qui viennent de milieux très pauvres et très défavorisés. De toute façon, dans notre secteur, on n'a pas vraiment, là, c'est sûr qu'il y a une pauvreté, mais peut-être pas comme dans les grandes villes, là. Oui. Puis, c'est plus facile avec ces jeunes-là, parce qu'ils sont habitués de se faire rasseoir, ils sont habitués de se faire parler, ils sont habitués au vrai langage. Mais quand on arrive avec le petit-fils à papa, puis qu'on dit, écoute, là, OK, excusez, je vais être assez raide, là, t'écrases ton cul, là, parce que là, t'as le choix. Tu m'écoutes moi ou bien t'écoutes les policiers parce que moi, je les appelle, OK? Si vraiment, là, si en quelque part, tu veux pas écouter, tu ne veux pas collaborer, ben c'est regrettable, mais ça va être les menottes, puis tu t'en vas dans une maison pour te... Ben pour te recalmer les nerfs, mon homme. OK? Le petit gars de la rue, lui, s'est déjà fait dire ça par son père. Il s'est déjà fait dire ça par quelqu'un, par un professeur. Mais le petit gars des riches, là, ça se passe pas de même, hein? Fait que nous, le contact est beaucoup plus facile et c'est le fun même, on vient à... Ben moi, c'est sûr que je suis connue, là. Puis je les aime, mes jeunes. Mais donc, je les appelle mes jeunes, là, mais je les aime. Tu sais, je me promène... Quelle que soit la classe à laquelle ils appartiennent. Ah, puis j'ai un faible, là, pour les familles en difficulté, parce qu'ils sont attachants. Ils sont vraiment... Ils ont quelque chose dans les yeux qu'ils ont une lueur d'espoir, en quelque part, que nous, on leur redonne... Puis, ils nous font confiance. Le petit gars de papa puis de maman qui a bien des sous, là, ben lui, il faut pas qu'il soit vu avec une travailleuse sociale, peut-être une intervenante,
Mais ce qui serait le mieux encore, ce serait un gros lologue dans une petite clinique privée et que personne ne soit au courant. C'est caché. C'est caché. Mais regardez, Manon, l'étude française, là, ils n'ont pas demandé au directeur d'école, ils n'ont pas demandé aux parents, ils sont allés directement aux jeunes pour faire leur sondage et leur étude. Mmh. Voyez-vous, et les jeunes ont livré les chiffres eux-mêmes. Ah oui. C'est ça la différence, là. On a plus, là, il y a plus question de cacher. Les parents riches ne cachent plus. Parce que ce que vous soulevez, c'est exactement ça qui a été contourné dans l'étude. Mm-hmm. C'est les parents qui veulent pas égratigner leur réputation, veulent pas avoir un policier à porte. Ben non, j'ai une question à vous poser. Oui. Question de fait. Quel est le pourcentage de jeunes, d'après vous, dans les écoles publiques qui ont un problème de drogue ou qui se droguent, là, sur une base assez régulière? Êtes-vous capable de chiffrer ça à peu près? Sur une base régulière? Assez régulière, là. 1/3. Oh un boy. Sur 3, le tiers. Hey, oui. On est loin de l'autre Manon de tantôt, qui avec 5% qui étaient des usagers problématiques. Oh, elle était dans le champ, pas à peu près. OK. Ce sera pas une guerre de Manon. Je vous demande votre opinion. Je vivrai avec. Un sur trois. Bon, dans les écoles publiques et à l'Académie Étienne Manceau, d'après vous, quel est le pourcentage? Étienne Manceau, ce serait peut-être le même 1/3. Sauf que à l'école publique, ça va être, on va parler de potes, de hachiches, OK? Tandis qu'à l'académie, on va parler de cocaïne. OK. Ça frappe plus fort. Oui, c'est plus fort. Étudions le phénomène. Vous connaissez mon attitude habituelle, oui. Manon et Jeannine. Avant de commencer à qualifier, étudions le phénomène. Alors, d'après vous, c'est sensiblement le même pourcentage chez des milieux plus favorisés que dans des milieux moins favorisés. C'est ça que vous nous dites? La seule différence, c'est le type de drogue qui est utilisé. Oui, je vous ai bien compris, je vous prête pas de propos. Oui, puis les jeunes de la rue, assez souvent, vont s'en sortir beaucoup mieux que les petits-enfants qui ont beaucoup de sous. OK. Merci beaucoup, en tout cas, Manon. C'est votre opinion. C'est intéressant. Les classes aisées d'adolescents en France ont avoué d'eux-mêmes dire consommer de l'alcool, des drogues dures. Et ce qui est ressorti de cette étude-là, c'est qu'ils en consomment plus que dans la classe moyenne. Et loin de nous, l'idée de cibler une école en particulier, je présume que le phénomène auquel il a été référé à Joliette probablement est similaire dans d'autres écoles ou dans certaines autres écoles, qu'elles soient privées ou publiques, mais pas nécessairement. Il peut y avoir certaines variantes. Il ne s'agit pas de cibler des écoles, mais bien de parler d'un phénomène au sujet duquel on s'était trompé. C'est-à-dire que tu es à l'école privée, tu es dans un collège, une académie, et tu es à l'abri des drogues dures et de tout ça. L'étude de Paris, alors on étudie, il y a un auditeur qui m'a envoyé un courriel de bêtises en disant qu'on va prendre des nouvelles d'ailleurs. Non. On prend des connaissances d'ailleurs, des études qui viennent d'être faites, pour se demander, est-ce qu'il est possible que ce soit similaire chez nous? Peut-être qu'il y aura des différences si on se donne la permission d'étudier ce genre de problématique-là. Parce que on aura avantage à se la donner le plus rapidement possible, cette maudite permission-là, les petits copains, parce qu'on va être dans la merde si on le fait pas. Et on parle à Maxime. Bonjour, Maxime. Bonjour, Madame Ross. Monsieur Maxime. Je trouve ça donc bizarre, là. Vous venez de dire un point qui vient de me faire penser à ça, là. Pourquoi qu'il y a des tabous? Pourquoi qu'il étudie pas n'importe quoi? Calvin, j'en reviens pas. Vous avez la même réaction que moi. L'humain, le Québécois tribal est pissou, menteur et hypocrite. Puis ils veulent pas que les choses vraies sortent. Exactement. Mais malheureusement, ça reste stagnant en ce moment-là. Ah oui, c'est ça. Puis théoriquement, ils veulent que ça reste stagné parce que, regardez, les députés, là, c'est eux qui laissent rentrer la drogue ici. Je veux dire, tous les politiqueux, là, ceux qui s'occupent des pays, c'est eux autres qui s'arrangent avec un autre pour laisser rentrer l'autre à telle place pour faire de l'argent. Maxime, c'est Evo Morales qui vient d'être élu président de la Bolivie. Hey, on peut en parler, Jeannine, c'est de la politique extérieure, on a le droit. Bon. Alors, Evo Morales vient d'être élu... président de la Bolivie. Premier autochtone. Oui. Premier autochtone dans toute l'histoire de ce pays-là. Ouais, premier Amérindien, je pense, en Amérique, dans toutes les Amériques, là, a été élu président de son pays. Et lui,
Et il prétend que la feuille de coca, on va la cultiver comme les ancêtres la cultivaient, puis fuck les Américains. On va pouvoir la manger, let's go. On va pouvoir la manger, ça fait partie de notre tradition, puis les Américains, un doigt d'honneur, puis le bras d'honneur. Ça coûte moins cher de bouffe, puis ça travaille plus vite. Okay, yes, sir. Bon. Mais alors, c'est quand même... Mais pour revenir à ce qui se passe ici... C'est quand même intéressant. Ah oui, tout de même très, 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 je veux dire. Théoriquement, là, je veux dire, moi, bon, j'apprends... Écoutez, le gars se battra pas... Pardon? Contre une tradition de son pays. C'est comme le cannabis au Canada. Il y a 3-4 illuminés, 3-4 crétins en 1800 qui ont déclaré illégale la culture du chanvre au Canada. Pour pouvoir en faire beaucoup d'argent illégalement. C'est sûr qu'ils se sont dit, si on met ça illégal, on va pouvoir le contrôler et le vendre nous-mêmes. Il y a un marché. Ouais, il y a un marché. Mais oui. Mais là, ce qui arrive, c'est que les Québécois ont doublé la loi et se sont appropriés eux-mêmes et ont décidé d'en cultiver à leur guise. Ben, et c'est pour ça que je prétends que le gouvernement et la police ne peuvent strictement rien ben, le gouvernement par rapport au cannabis. Veut pas. Parce veut que pas, c'est lui. Pas des trafiquants qui font rentrer du cannabis au Québec. Non, la cocaïne, oui, est entrée de l'extérieur. Mais le cannabis est cultivé dès situ. Puis en plus, c'est-à-dire on a la meilleure ici. Qualité au monde ici. Hein? On a la meilleure qualité de marijuana En Bolivie, c'est la coca, puis ici, c'est ça. C'est ça, c'est la feuille de coca, bon. Puis c'est comme ça. Mais si on revient à nos jeunes, là, oui. Puis on essaie de voir qu'est-ce qui se passe au Québec. Pour vous faire part de mon expérience, moi, j'ai été un petit gars qui a été à un collège X. Et qui... Un collège privé ou public? Privé. Un collège privé, oui. Et qui... bon, faut que je mette dans le contexte que le collège, lui, tentait désespérément de ramasser le plus de clients possible afin de pouvoir s'acheter une école. Oui. Pendant ce temps-là, il louait la moitié d'un building, d'une industrie de tapis. Oui. C'est, donc, en tout cas, j'étais arrivé là-bas, je connaissais déjà les drogues. J'étais arrivé là justement en deux. Vous connaissiez ça par expérience ou oui, parce oui, que vous par saviez ce que c'était? OK. Par expérience. Et quel âge aviez-vous? J'avais 14 ans. 14 ans. Moi, ce qui est arrivé, c'est que j'ai connu ça, aussi banal que c'est, dans une équipe de hockey. Un de mes amis avait sorti ça. J'ai dit, c'est quoi ça? Il avait sorti quoi? C'était du hashish. Mm-hmm. Ouh, si bas, à quel âge? 12 ans, 13 ans? J'avais 14. Ah, OK, à 14 ans. Ça a été comme toute la même année. Oh boy, le hashish à 14 ans, on commençait raide? Il sort ça, il me demande, et non, de un, j'y demande, moi, c'est quoi ça? Là, il dit, ça, c'est du hashish. Je dis, c'est ça? Hey, donne-moi-en, je veux essayer ça. Moi, ça a été ma manière. Moi, je vous ai déjà appelé, M. Mayou, pour vous demander voir si c'était normal qu'un jeune de 14 ans voit une annonce qui dit, théoriquement, qui montre un petit garçon rentrer un autre dans la case, puis essayer de le forcer à fumer un joint. Puis moi, ben, à place d'avoir eu peur de ça, ben j'ai été attiré par ça. Mm-hmm. Ce qui m'amène à dire de Manon, celle qui a appelé tantôt, un petit conseil, arrêtez d'aller voir les professeurs puis de vouloir en parler avec les jeunes parce que parlez-en bien, parlez-en mal, vous en parlez, vous le rendez plus populaire. Bon, ça c'est un point qui est jamais ressorti. La prévention peut avoir des effets négatifs dans certains cas. Ça ne vient pas de moi, ce propos. C'est que tu crées un intérêt, c'est ça que vous ben, vous soulevez, c'est théoriquement, là. Si moi je connais pas le fruit avocat, ouais. Puis que personne me le présente, j'aurais jamais l'idée d'en prendre. Hey, Maxime, oui? C'est-tu assez bon de l'avocado? Non, hein? Voulez-vous même dire qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Moi, je vous mens pas, là. Je suis un fric de l'avocado. Une drogue d'accoutumance, Pierre. Je suis pas capable de couper un avocado sans en manger la moitié du premier coup. Ah, ben puis je me retiens pour le deuxième. Très compréhensible. Qu'est-ce qu'il y a? Quelle drogue qu'il y a là-dedans, l'avocat? J'ai aucune idée, mais voyez-vous, si vous l'auriez pas connu, vous auriez pas ce problème-là. Si personne vous en aurait parlé, vous auriez pas connu ça. Fait que vous trouvez que la prévention, oui, mais... C'est néfaste. Bon... C'est néfaste parce que ça rend le produit populaire, c'est tout. Ça rend plein... Il y a, selon moi, là, le minimum 33% de la population qui se font piquer leur curiosité avec ça. Bon. Tout dépendamment. Puis en plus, nous, on a été... écrasé, tout le temps malmené, on se faisait dire quoi faire, puis notre opinion comptait pas, fait que regarde... Attendez, hey, répétez ça, vous là, les propos suaves que vous venez de tenir. On a été écrasé... Écrasé, on s'est fait malmener, on s'est fait dire quoi faire... Malmené, notre opinion comptait jamais, on s'est fait...
Ça marche de même et tu fais ça comme ça. Ça, c'est à la maison ou à l'école? À la maison et à l'école. Les professeurs, là, j'en ai rarement connu des bons. J'en ai rarement connu qui ont suscité mon intérêt. Mm-hmm. Oh. Aussi plate que c'est, moi... Oui, mais là, il va falloir rendre hommage à Manon tout à l'heure qui nous a dit... Elle m'a frustré. Non, attendez. Oui, mais ouais. Hey, à la fin, elle était bonne. OK. Lorsqu'elle a décrit concrètement ce qu'étaient les habiletés personnelles et sociales à améliorer. Elle a dit l'estime de soi, accepter force et faiblesse et la prise de décision. Mais un enfant peut pas faire ça par lui-même, il faut qu'il se le fasse. Il faut qu'il soit incité à... Il faut qu'il se le fasse inculquer. Ben, écoutez, s'il est passé par les garderies de Pauline Marois, je vous le dis que ça fait des maudits bons sujets pour les vendeurs de drogue. Je vous crois à 200 000 alors. Merci, Maxime. Je n'aurais pas prêché dans le désert. Êtes-vous allé en garderie, Maxime? Entre oui, nous. J'étais en garderie. Oui. Oui, mes parents avaient un dépanneur, puis le dépanneur était en déclin dans ce temps-là. Fait que moi, j'ai à 9 ans, là, je m'en allais chez nous, je faisais mon dîner, mon souper. Oh. Alors, Maxime, on a été, vous dites, on a été. Alors, je présume par le on, est-ce que je pourrais penser que vous voulez dire j'ai été? Oui, j'ai. Bon, oui, j'ai été écrasé, oui. Malmené. Oui. On me disait quoi faire. Oui. On ne respectait pas mon opinion. Effectivement. Et on me dominait à qui mieux. Et voilà. J'ai bien compris. Je vous prête pas de mots. J'exagère pas vos propos. Vraiment pas. Maxime, je vous dis que maintenant, si quelqu'un me regarde avec autorité, je baisse les yeux. Je vous dis ceci. Encore, hein, Maxime. Je vous dis ceci. Allons-y. 80, en tout cas, la vaste majorité des jeunes qui ont été traités comme vous deviennent prédisposés facilement à l'utilisation et l'abus de la drogue et ou chez les adolescentes et ou, c'est volontairement dit, là, oui. À l'utilisation et l'abus de pelunes. Ah, ça, je suis bien d'accord. Je vais vous avouer, là. Alors là, ceux qui se demandent quoi faire là pour contrer le phénomène de la drogue et des pelunes chez les adolescents, là, c'est que arrêter d'écraser, commencer à respecter l'enfant. Merci. Maxime, continuez, Maxime, vous êtes meilleur que moi. À 14 ans, quand vous êtes tombé de pied en pied dans dans l'utilisation du haschich, oui. Est-ce que ça vous a permis de parler en vous foutant des autres? Qu'est-ce que ça a moi, fait? Moi, j'ai adoré ça. Moi, ça m'a comme permis de rentrer dans ma tête. Puis pendant les moments que j'étais en état transcendantal, si on peut dire. Vous étiez drogué. Que j'étais gelé ben raide. Bon, merci. on finit par, en tout cas moi personnellement, ça a été comme un genre des genres de voyage mental astral là. Tu sais, d'un certain sens, je pouvais passer, là, c'est pas des farces, mon gros fun dans ce temps-là, c'était d'aller prendre une douche pendant 45 minutes à une heure, me laisser couler l'eau dessus puis réfléchir. C'était tout. Puis ça me permettait... Vous sortez quoi de vos réflexions? Ah, c'était sur tout, la vie, mes malheurs, ce que je voulais, ce que je voulais pas. Est-ce que c'était agréable comme état? C'était très agréable. Merci de le dire. C'est... Pourquoi vous vous droguiez pour ressentir un moment de plaisir? Oui, parce quand est-ce qu'on va comprendre ça? Baptême. Puis il était libre dans sa tête. On lui disait pas quoi penser dans sa tête. Et voilà. Il y avait une euphorie, il y avait un plaisir. Oui. Et voilà, quand est-ce qu'on va respecter nos enfants? La juge Ruffo l'a dit hier, à Tout le monde en parle. Mayou l'a dit, à Tout le monde en parle, il y a quelques mois. Le Québec haït en majorité les enfants. Pas tout le monde, mais on peut dire, une généralité, le Québec haït les enfants. Je vous donne à 200 000 à l'heure, moi, juste les expériences que je vois autour de moi font en sorte que ça ne soit pas plus beau plus tard. Non, la drogue, hey, on est mieux d'y penser tout de suite. C'est pour ça qu'on en parle cet après-midi. Le problème n'est pas appelé à descendre. Le problème est appelé à monter. Ouais, mais bon, moi, je vais vous dire, là, j'ai longuement réfléchi à ces problèmes-là. Là. Puis théoriquement, là, le bobo que j'ai trouvé, je trouve que ça part du... C'est dû au fait du système économique. À ce moment-là, les gouvernements, en gérant de l'argent, peuvent pas s'occuper de tel problème parce qu'ils ont pas assez d'argent. Ils peuvent pas mettre l'argent là-dessus. Ou, tu sais, comme la DPJ, c'est à peu près ça problème qui se passe là-bas aussi. Mais ça commence pas chez vous, Maxime. Quand un gars de 14 ans est obligé d'aller se cacher dans une douche pour avoir la liberté de penser, ça va mal en maudit. Ça, je suis d'accord, mais le système économique a amené mes parents à travailler 14 puis 15 heures par jour.
Ah, OK, vous blâmez. C'est ce lien-là. Ah, okay. Je viens de comprendre votre pause. J'avais de la misère à vous suivre. Là, il y a un impact personnel. Attendez, alors là, vous blâmez le système économique. Vous, autant que vous aimez l'argent, moi, je la déteste. Parce que théoriquement, regardez, ils ont le moteur pour mettre de l'eau dans le moteur, ils purifient l'eau, ça sort de l'autre bord, puis l'eau est pure. Puis ton auto roule, ils ne sortent pas. Pourquoi? Maxime, pas assez payant. Maxime, je vais vous décevoir. Allons-y. Je vais vous sortir une hypothèse. Allez-y. Est-ce qu'il est possible que vos deux parents, même si le dépanneur avait mieux fonctionné, ne se seraient pas plus occupés de vous? Oui. Ah oui, à 200 000 Ils se seraient occupés de vous? Non. OK. Non. Ils auraient été bye, les mêmes Maxime. Parents. Mon père est un impulsif. Bon. Bye, mon Maxime. Arrêtez de blâmer le système économique. Faux fuyant, mon homme. Ouais. Prétexte. Deux parents sans cœur. Bye. Aujourd'hui, Pierre, je veux juste replacer le sujet, parce que on se demande si les enfants, les adolescents issus de milieux aisés ne consomment pas, comme en France, davantage de drogues dures, consomment plus d'alcool que ceux de la classe moyenne. Est-ce qu'on a le même phénomène ici? Est-ce qu'on est plus hypocrite et on veut cacher? Est-ce que les parents ont peur d'être pointés du doigt parce qu'ils ont des adolescents qui prennent de la drogue dure? Est-ce qu'on est hypocrite à ce niveau-là? Oui, Pierre. Juste un petit point, Janine, que je veux pas que ça passe inaperçu. Je disais, ça a été repris par tous les grands médias, que concernant Morales, c'est vous Morales, là, le nouveau président, il a prêté serment, OK? Oui. Il a prêté serment, il portait pas de cravate. Ça, c'est pas pour vous déplaire, par exemple. Sans cravate. Hey, ça commence à être temps que quelqu'un dise la mode des cravates là, dans la poubelle. Bon. C'est un symbole de soumission et il a très bien compris, le gars. Bon. C'est pas par hasard, il va être élu président, puis la cravate, c'est dans la poubelle. Ben, il est hors norme, merci. Pierre. C'est tout un phénomène. Merci, Morales. Pour revenir à nos moutons, Pierre, l'argent, tantôt Maxime, de son point, je trouve ça bien intéressant. Est-ce que pour une fois, on n'aurait pas passé, au lieu de passer ça sur une personne, mettre la responsabilité du mauvais parentage sur l'argent? L'argent lui a enlevé ses parents. On pourrait quasiment titrer ça comme ça. Pas du tout. Bon, t'as entendu, aisés, entendu sa réponse? Absolument. Mais ses souvent, on va dire que c'est l'argent qui est responsable. Oui, on blâme facilement le système économique au lieu de blâmer le fait que c'est beaucoup moins douloureux de blâmer le système économique que de réaliser qu'on avait deux maudits sans cœur comme parents. Ça, là, ça fait mal, pas à peu près. Surtout lorsque la mère, encore plus lorsque la mère est sans cœur. L'être humain... Le rôle de mère est extrêmement important et déterminant pour le petit être humain. Et lorsqu'elle est sans cœur, ça fait mal sans bon sens. Mais quand l'enfant s'entend dire, et par la mère et par le père, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, il faut aller travailler, c'est de même ça marche, sinon on n'arrive pas. Mensonge! Parce que c'est un grand mensonge qui est répété beaucoup, Pierre. Mensonge! Alors, même la mère entre là-dedans. Ah ben, hey, la bonne femme québécoise, elle n'a pas de problème à mentir. Hey boy! Elle n'a pas de problème à être hypocrite. Le mensonge et l'hypocrisie chez la femme au Québec. Mais les enfants... Aucun problème, tu peux me croire, Janine. Mais Maxime est parti là-dessus tantôt. On fera même pas d'études là-dessus. Pas toutes les femmes qui sont menteuses, mais beaucoup de femmes au Québec n'ont aucun problème à mentir comme elles respirent et à être hypocrites comme des maudites. Mais quand... Voyez-vous, Maxime, c'est ce qu'il dit. Il dit encore, au point de départ, il a dit ça. C'est l'argent qui m'a enlevé mes parents, d'une certaine façon. Le système économique dans lequel on est commandait à mes parents de travailler comme des fous. Il n'y avait pas de temps pour moi. Mais, c'est ça. Mais le dépanneur aurait bien fonctionné. Il ne serait pas plus occupé de lui. Non, ça, il l'avoue. Ça, il l'avoue. Mais ça demande tout un cheminement, Pierre. T'as fait ça, Non, il était plus. Non, je l'ai trouvé très lucide. Non, je crois qu'il avait fait du chemin. La réponse à cette question-là, c'est pas un petit peu surprenant. Hein? Mais on était tous portés spontanément à embarquer dans son discours. Mais exactement, surtout qu'il était convaincant dans son discours politique, son discours économique. Et ça se tenait. Mais il était très conscient, par exemple, parce qu'il voulait accorder tout de suite. Mais lorsque confronté avec l'hypothèse contraire, ça aurait bien été. Ses parents n'étaient pas intéressés à l'élever. Mais il le sait très bien. À l'élever. Ça. Pas à l'éduquer. Il n'était même pas intéressé à l'élever. Mais tu ne peux pas être conscient de ça, Pierre, avant la vingtaine avancée, parce que comme tu dis, c'est trop. Ça fait trop mal. Fait trop mal. Bon. C'est douloureux. Je comprends qu'il se protège en se dotant de prétextes.
Alors, on va à Dominique. Bonjour, Dominique. Dominique? Oui, je suis oui, là. Oui. Dominique, bonjour. Bonjour. Allons-y. OK. Ben moi, je suis pas trop au courant de votre sujet aujourd'hui. C'est ma blonde qui vient d'entrer. Oui. Je vous écoute souvent, là. Puis moi, c'est ça, j'ai un frère qui est toxicomane, qui a commencé ça à l'école. Oui. Bon, public ou privé, tiens? Puisqu'on se demandait si c'était pas les gens qui étaient plus aisés, les adolescents de la classe aisée qui en prenaient autant, sinon plus, ben, comme c'est le cas en France. Mes parents étaient aisés, là, mais moi, c'est un petit peu d'autre chose que je veux parler, c'est que mon frère est toxicomane, OK? Ça y a amené des gros problèmes de violence. Il a commencé par le pot, après il a goûté à pas mal tout, puis là c'est un cocaïnomane, là. Puis c'est mon frère jumeau. Ouais. Jumeau identique ou fraternel? Identique. OK. C'est ça. Puis nous autres, on avait une bonne mère québécoise, comme vous dites, là, qui avait pas trop d'intérêt pour les enfants. Puis mon père était bien, bien dominant. Il était violent avec nous autres puis tout. Fait que mon frère il a développé bien, bien de la haine en vieillissant contre lui. Excusez, je suis nerveux en tabarouette. Non, ça va bien. Vous faites bien ça. On vous comprend très bien. Puis là, c'est ça. Là, mon père, il était très violent. Là, on a marché à voler pas mal chez nous. Puis, vous avez quel âge, Dominique? 27. Oh boy! Puis il vous recède régulièrement, le bonhomme? Et quoi? Il vous recède, vous donnait des volées régulièrement? Oh oui, régulièrement. C'est vrai? Oui. Fait que c'est ça, mon frère, il a développé bien, bien de la haine, mais moi aussi, mais j'ai réussi à le contrôler, je ne sais pas comment j'ai fait, là, en tout cas. Moi, j'ai réussi à comme accepter ça. Puis est-ce qu'il frappait plus un jumeau que l'autre, ou... Oui, mon frère. Bon. Il tapait plus sur mon lui. Mon frère. Parce que nous autres, on était des jumeaux, puis on était deux petits gars, puis mon père, c'est un gars bien orgueilleux, on était des petits gars physiquement bien plus forts qu'à notre âge, là. Puis ça a toujours choqué mon père, parce que quand il se tiroyait avec nous autres, à partir de 14 ans, on était plus fort que lui. Et là, la répression a commencé? Ouais, surtout avec mon frère, parce que moi, tu sais, je ne sais pas si c'est parce que j'avais plus peur que lui, mon frère le frondait plus, là. Mais ça, mon père... Entre autres, ça a commencé... Moi, je me souviens l'après-midi que tout s'est effondré pour lui, dans le fond. Il se tiroyait avec mon père dans le gazon, puis il l'a mis à terre, puis il a donné des petites tapes comme pour parce qu'il était fier de son coup, là. Il a donné deux, trois petites tapes dans la face, mais pas fort, c'était amical. Puis il a dit ah, le vieux, t'es pas dedans, puis là, à partir de là, ben ça. La guerre. Bateau. Fait que là, c'est ça. Là, mon frère, il a développé de la toxicomanie, puis c'est un gars qui est violent, là. Puis qu'est-ce que vous voulez dire par violent? Donnez des exemples. Ben, violent, c'est un gars, il se tient d'un bord, il est batailleur. Oui, OK. Lui, il a eu un diagnostic de borderline narcissique, là. Alors qu'il a été malmené. Oui, mais il a eu ce diagnostic-là après 15 minutes avec le psychiatre qui connaissait pas son histoire. Ben oui. Puis là, il soigne, il donne 600 000 g de Seroquel, il prend 5 000 g de Rivotril par jour, il prend 80 000 g de Paxil. Le lunch, un bon lunch. Ouais, mais lui, ça fait son affaire, il est toxicomane. Du Rivotril, il en veut, lui appelle, là. Il fait des crises de panique pour pouvoir en avoir. Tu sais. C'est pas drôle, hein? C'est pas drôle. Moi, j'ai parlé à son psychiatre pour lui dire, parce que j'écoute votre émission, puis là, j'étudie en santé mentale à l'université. Oui. Les benzomes aussi, j'en ai pris, parce que moi, j'ai développé des crises de panique puis de l'agoraphobie. Oui. Quand j'étais plus jeune, OK? Oui. Fait que là, j'ai pris des antidépresseurs, puis des benzomes un petit peu, mais pas beaucoup, j'aimais pas ça, là. Les antidépresseurs m'ont aidé, mais en tout cas, là, l'un pas là la question. Ouais. Mais là, moi, c'est ça. Moi, je t'inquiète pour mon frère. Je suis tout le temps inquiète. Tu sais, il me fait chier. Il me fait chier souvent. Là. Il me fait du trouble souvent quand il est drogué. Là. Tu sais, comme j'ai été obligé de le faire arrêter là, en fin de semaine. Puis c'est ça, j'ai de la misère avec ça. Là. Ouais. Je m'en veux. Ça n'a même pas de bon sens. Vous l'avez fait arrêter pour raconter un petit peu. Parce que là, il n'y avait pas d'argent. Il avait passé la nuit debout. Puis là, il est allé chez mes parents pour avoir de l'argent. Puis là, il a commencé à être violent parce que mes parents ne voulaient pas y en donner. Puis là, mon père, il a commencé à le fronder un petit peu. Fait que mon frère s'est choqué après. Il a dit, tabarnak, il dit, quand on avait 14 ans, t'avais pas de misère. Mais là, il dit, regarde, il dit, je te fronde un peu. Puis là, tu vas appeler la police, tu vas me faire embarquer, si tu te lâches. Fait que là, mon père... Bon, vous faites bien de parler de ça, Dominique. Alors là, avis aux parents qui fessent les petits-enfants. Vos enfants vont grandir. Et cette façon-là d'interagir pourrait se retourner contre vous. Oui, c'est là, je le dis. Dire. Pardon?
Dites-le au papa là, qui écoute puis qui exagère. Les petits gars vont devenir des hommes un jour puis ils peuvent le regretter. Ouais, puis vous allez avoir des claques à la gueule. Et dans le cas des filles, savez-vous qu'est-ce qui se passe, Dominique? Non. C'est que les mères qui ont frappé leurs filles risquent d'avoir des claques à la gueule lorsqu'elles vont être vieilles et que c'est leur fille qui va s'en occuper. Personne n'ose parler de ce retour d'ascenseur-là, mais c'est une réalité. Alors, les filles qui ont été frappées par leur mère petite ont beaucoup plus de chances de frapper la vieille quand elle va être vieille. Puis écoutez, mon père, moi, il était policier. Fait que c'est un gars qui était quand même... pas un autre. Ça m'écoeure. Ouais, il était bien vu. Hey, Dominique, on peut-tu continuer avec vous? On va faire une pause, là, parce qu'il y a un côté de votre problématique que j'aimerais vraiment qu'on soulève. OK. Si c'est possible. Ah ben oui, c'est parfait. Ah, correct? Policier, en plus, Jeannine. Merci. Les adolescents des classes aisées, comme en France, ici, consommeraient davantage de drogues dures, contrairement à ce qu'on pense. Je demanderai à tous ceux qui sont en ligne actuellement de patienter. J'aimerais ça qu'on puisse parler à tout le monde d'ici la fin de l'émission. Mais tout de suite, on parle à Dominique, on continue. Pierre, il y a quelque chose qui est interpellant dans le truc de Dominique. Il est jumeau. Il connaît l'histoire familiale, une histoire familiale de violence extrême. Il comprend pourquoi son frère tourne de même, mais il peut rien faire. Cette espèce d'impuissance-là, comment on transige avec ça? Ben, je sais pas. C'est une bonne question que tu poses, Jeannette. Dominique, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. C'est parce que le père a vargé plus sur le frère de Dominique que sur... Ben, il a vargé sur moi et ma sœur aussi en masse. Oui, mais il semble-t-il que vous avez mentionné qu'il avait... Il frappait plus votre frère que vous. Oui, ça c'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Mais quand tu vas par exemple voir le psychiatre de ton frère, tu l'accompagnes, vous avez dit ça tantôt, ils tiennent pas compte, Pierre, de l'historique familial. Dominique est un témoin de premier plan. Non, il y a beaucoup de psychiatres. Je suis sûr que probablement que le psychiatre n'a rien demandé sur les abus du père à Dominique, parce que il est possible que le psychiatre lui-même ait frappé ses propres enfants. Mais alors, un psychiatre qui frappe ses enfants ne demandera jamais à quelqu'un qui le consulte « Est-ce que ton père t'a frappé? » Mais là, franchement, qu'est-ce qu'ils font en psychiatrie, là? Des gens qui ont pas, sont pas capables? Il y a toutes sortes de monde, c'est ça que j'essaie de vous dire. Il y a toutes sortes de monde qui vont en psychiatrie, comme il y a toutes sortes de monde qui vont en droit. Mais des juges qui ont frappé leurs enfants solidement. Ils sont juges. Mais Dominique, demandez-vous ça doit pas être pourquoi terrible. Que j'ai pas le support de tout ce monde-là lorsque je veux faire abolir l'article 43 du Code criminel du Canada qui invite les parents à faire ses enfants. Voyons. Vous avez revu les professeurs, je pense aussi. Yes, sir. Hey, la Fédération des enseignantes qui est allée supporter cet article-là devant la Cour suprême. De l'article. Moi, j'ai une fille de 2 ans, puis je peux vous garantir que si c'est un homme qui frappe ma fille à l'école, il va le regretter. C'est sûr et certain. Yes, sir. C'est sûr et certain. Puis, alors, Dominique, Jeannine a posé une question extrêmement légitime. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous pouvez faire pour votre frère? Mais c'est ça, là. J'essaie de l'accompagner là-dedans, mais là, tout le monde me dit... Perds pas ton temps, c'est un astuce drogué, puis c'est ainsi, puis c'est ça, mais moi, je... Non, attendez un peu, parce là. Dominique, il y a une chose. Oui. Le collège des médecins m'a emmené devant le comité de discipline parce que j'avais dit à une mère que sa fille s'était amenée à un stade de déchets. Ouais. Et les salauds qui m'ont traîné devant le comité de discipline n'ont pas écouté la phrase suivante. Mais, madame, c'est à vous d'en prendre soin. Bon. Alors, c'est votre frère jumeau. Ouais. Tant que vous avez la capacité d'en prendre soin, vous continuez. Correct. Merci beaucoup. Ouais. Puis d'autant plus qu'il y a des commentaires de Dominique qui pourraient être très précieux. Monsieur Mailloux, j'aimerais vous demander, moi, présentement, je prends du Wellbutrin puis du Celexa là, pour mes crises de panique. Oui. Parce que moi, j'ai été consulter des psychologues, puis ça m'a pas fait de bien. Ça. Oui. Moi, j'ai essayé d'aller vous rencontrer, mais je suis pas dans Louisville. Non, vous êtes pas dans le secteur. Ouais, c'est ça, j'aurais bien aimé ça, là. Non, puis je fais pas de la radio pour remplir mon cabinet, il est trop plein. Non. Alors, oui, votre question, rapidement. Ouais, c'est ça, est-ce que je devrais avoir honte de travailler en psychopathologie? Non, pas nous. Pourquoi vous auriez honte de travailler là-dedans? Ben, je ne sais pas, tu sais, mais parce que des fois, vous parlez du monde qui se bourre de pelules, puis j'ai l'impression, dans ce temps, je me sens un peu visé. Mais c'est à vous de réfléchir à ça. Mais je pense que je suis un bon intervenant pareil, là. C'est à vous de réfléchir à ça, mon ami, et à vous situer. OK? OK. Bye. Oui, merci beaucoup. Bye. Alors, ça n'exclut pas. La réponse, c'est quasiment ça. C'est ça. Oui. Alors, on parle à André maintenant. Bonjour, André. Salut, Jeannine. Bonjour, André. Salut, docteur. Ouais, moi, j'ai été à l'école privée. Oui. Dans les années 60...
14. Ouais, ça fait une mèche, là. Oui, mais ça commence à entrer, la dope, hein, dans les écoles. Ben, je vais vous expliquer. OK. L'affaire, ça marche comme ça. C'est que des drogues, c'est comme des classes de gens. OK, la cocaïne, c'était pour les riches. Ouais. Dans les années 80, je parle, la fin de 70, ouais. 80, tous mes chums, c'était de la cocaïne. Ouais. Moi, la drogue, j'aime pas ça, ça me disait rien. Mais tous mes chums, c'était ça, puis les poteux, c'était des gars des écoles publiques. Bon, vous êtes le deuxième à dire ça. Mais c'est vrai. Oui, il y a un fond de vrai là-dedans. Et puis, une autre chose aussi. Écoutez, d'un party d'André Boitler, là, on s'amusait pas à sortir le gros sac de graines, là. Non. Mes amis à moi, quand ils prenaient... Là-dessus, d'un party de Boitler, et puis son chef de cabinet, c'était clair que c'était les lignes de poudre qui circulaient. Oui. Dans mes amis à moi, ouais. Ce qu'ils faisaient, c'est que quand ils étaient trop gelés, ils étaient trop speedés, comme on dit, à la coke. Oui. Ben, ils fumaient un joint pour redescendre. Ouais. Pour se calmer. Alors, wow. Mais une chose, par exemple, c'est que je trouve que la drogue devrait pas être légalisée, c'est niaiseux. Parce que je veux vous dire pourquoi c'est niaiseux, parce que vous dites qu'il y a seulement... Pas n'importe quelle drogue, là. Wow, j'ai pas parlé de la légalisation de la cocaïne, là. J'ai parlé de la légalisation du cannabis. Ah, moi, je dirais aucune drogue. En tout cas, c'est une question d'opinion, là. Ouais, je respecte la vôtre, là. Vous dites qu'il y a 10% de la population qui est saine psychologiquement. 19. 19. Alors, 19%. Il y a 19% de la population qui est saine, puis vous légalisez ça... Ben, c'est pas trop normal. Ayez plus, André. Ouais. Je vous en conjure, ayez plus confiance dans l'être humain. Je l'ai confiance. Non, vous ne lui faites pas confiance. Soyons plus confiants dans l'être humain. Mais vous dites que les parents, ils s'occupent pas des enfants. Oui. Ils voulaient légaliser une drogue. Alors, ils vont se pitcher où? C'est la première fois que c'est légal. Vous savez, l'être humain est mieux fait qu'on le croit. Ce n'est pas parce qu'il vole pas haut qu'il ne peut pas voler plus haut. C'est pas ça que j'ai dit, mais il faut donner des chances. Non, c'est moi qui dis, là. Je dis pas que j'ai dit, mais c'est moi qui dis ça. Ils en prennent pareil, c'est ça le problème. Que ce soit légalisé ou non, ils en prennent pareil. Non, on va s'élever. Vous savez, André, regardez. Ouais. Faites confiance à l'être humain. Ouais. OK? Ouais. En sa capacité de pouvoir s'élever. Ah oui, mais... En tout cas, moi, je trouve ça un petit peu... Et les pires systèmes, c'est Cuba puis les Soviétiques. Oui. Comprenez-vous? Puis la Corée du Nord. Les pires systèmes parce que c'est un système qui ne fait pas confiance à l'être humain, qui l'infantilise. Alors, il ne peut jamais collectivement s'élever. Il est réprimé. C'est comme dans les familles où tu as un patriarche ou une matriarche. Ces familles-là sont tous infantilisées. Oui. Mais en Union soviétique, quand tu dois te tenir à moins 40 sous zéro pour un papier de rouleau de toilette, là, tu vas prendre une shot de vodka parce que t'as froid. Non. Parce que les gens ont pas confiance. Mais non, ils sont infantilisés. Encore ce matin, mon fils me faisait remarquer la longévité de différents peuples autour du globe. Les Russes, 59 ans de longévité. Ouais, mais ils sont sauvages. C'est les problèmes d'alcool, collectivement. C'est les hommes russes sont complètement décocrissés, tu sais, ça n'a pas de bon sens. Mais Doc, c'est des caractères sauvages. J'ai des amis soviétiques. Vous le dites. Ils peuvent pas prendre une shot de vodka, ils doivent finir la bouteille. Ouais. Ouais. C'est des gens comme ça, ils vont au maximum. Des gens excessifs. Femmes qui vendent les bouteilles de vodka en plus. Oh. Alors, André. Ouais. Aviez-vous autre chose à dire pour cet après-midi? C'est juste ça. Excellent, André. Okay. Bye. Merci. Bye. Donc, la distinction dans ce cas-là aussi, la classe aisée se paie des drogues qui sont plus chères. Oui. Et qui fonctionnent à coup sûr. On parle à Fred. Bonjour, Fred. Fred, est-ce que vous êtes là? Fred où? Bon, OK. Alors, 790-0224, 1-800-667-5241. On va peut-être pouvoir prendre un ou deux appels d'ici la fin de l'émission. Or, on se demandait au début de l'émission si la classe aisée engendrait pas des adolescents qui consommaient davantage de drogues dures, d'alcool, comme c'est le cas, semble-t-il, en France. Mais d'après une étude qui a été faite auprès des adolescents, puis c'est ça qui est intéressant, Pierre, ils sont pas passés par les directions d'école, ils sont pas passés par des statistiques, ils sont allés en sondage pour mener l'étude. Ouais. Ah, donc, les jeunes l'ont dit d'eux-mêmes. Ouais. Alors là, tu brises à ce moment-là toutes les barrières de l'image. Une école qui ne veut pas perdre sa réputation, des parents qui ne veulent pas voir de travailleurs sociaux frappés chez eux, la police non plus. Ça se fait en catimini.
quand il y a des gros problèmes, alors on pense qu'il n'y en a pas de problème. Sais-tu, Jeannine, et j'insiste là-dessus, ça m'interpelle beaucoup qu'une adolescente sur toi était accrochée à des pilules à Paris. Une adolescente sur toi était accrochée aux pilules. Mais oui. Alors on c'est va voir. Catastrophique. Hey, c'est pas comme ça que tu fais un pays. Mais non, mon... Alors, si j'étais un haut dignitaire de la France puis que je vois passer ça, cette étude-là, oh boy, je fais venir les responsables et je leur demande tout de suite, est-ce que votre étude est vraiment valable? Parce que si elle l'est, on a un maudit problème. Alors, puis on parle tout de suite à Michael. Oui, Michael. Bonjour, Michael. Bonjour, vous allez bien? Bonjour, Michael. Oui, bonjour. Moi, je crois que les gens plus aisés, ils vont être comme dans les collèges, je crois, sont plus tentants à aller vers des drogues. Mais comme un auditeur auparavant a dit, c'est surtout pour des drogues plus dures, pas comme le pot. Je dirais la cocaïne. Ben, beaucoup maintenant d'ecstasy. Puis certains collèges aussi ils ont du GHB, la drogue du viol, qui est vraiment grave. Je crois que c'est ça le problème. C'est un des vous problèmes. Vous êtes sûr de ce que vous mentionnez là, le GHB dans des écoles? Ah, il y a du GHB dans les écoles. Tout le monde passe ça partout. Hey? Quand ils savent qu'il y a des grandes fêtes, je vais vous donner un exemple. C'est un exemple que je donne. C'est pas l'école. Quand que McGill vont dire, ok, on a la soirée de McGill à tel club, ben vous allez bien certain qu'il y a des rapaces qui vont passer du GHB dans cette soirée là. Okay. Ils font pas nécessairement partie du groupe d'étudiants. Non, c'est des parachutés qui arrivent avec leur stock. Ça va être des mal intentionnés dans le groupe qui vont se procurer du GHB pour pouvoir profiter de. C'est l'enfer. Attendez un peu, là. Vous avez pris ça où? C'est des ragots que vous colportez? Non, ou non, si non. Vous en avez vu du GHB? Non, du GHB, moi, j'ai travaillé à des soirées où est-ce qu'il y avait les cégeps Marie-Victorin, il y avait les McGill, il y avait Concordia, et bien souvent, on a même pogné des gens en train de spiker des drinks. On les a pognés, on a fait venir la police. Ils ont fait un petit test avec un genre de petit papier qu'on met dans le drink, puis oui, le drink avait été bien spiké par quelqu'un. Qu'est-ce que vous voulez dire par spiké? Spiké, autrement dit, il y avait quelqu'un qui avait profité d'un moment d'inattention pour pouvoir mettre le GHB dans le drink. Et le GHB, en avez-vous déjà vu? Non, moi, on m'a dit que c'est une petite fiole avec un liquide transparent, inodore, incolore. Exact. OK, et les policiers, quand ils sont venus, ils ont juste pris un genre de... Je crois que c'était un genre de languette de papier qu'ils ont mis dans le drink. Et ça l'a changé de couleur tout de suite. Puis ils savent qu'il y en a à ce moment-là. Ouais. Ça prouve la présence. Ça l'a prévenu une fille de passer un mauvais quart d'heure parce que je crois que c'est l'effet comme de 10 Valium ou je sais pas trop quoi, le GHB. Ouais. Oh, ouais. Ben, c'est-à-dire, c'est pas nécessairement que ça a l'effet de 10 Valium, ça a l'effet de 2 ou 3 Valium. Il y en a qui ont déjà pris ça d'ailleurs. Et ça rend amnésique. Ça provoque une ébriété, mais avec une amnésie très facile, exactement comme notre ami. Le lendemain, la personne ne se souvient de rien, si je me trompe. Exactement comme notre ami le Alcyon. Le Merci. Alcyon, qui est un analogue du Rivotril, était particulièrement doté de cette faculté-là. On prévoit 40%.